Bonsoir tout le monde, ici Yakipon, de retour sur Hollow Knight pour le stream chez Vassam Studio. On perd pas de temps, on relance, tranquille. Donc la dernière fois on s'était arrêté devant un monsieur Criquet qui est aveugle, voilà, exactement ici. Par contre j'ai absolument aucune idée de là où il faut aller. Donc comment on ouvre la carte? Je ne sais plus jouer à ce jeu. Comme ça, aucune carte pour la zone. Bah très bien, allez, on se casse. Ça commence bien. J'ai complètement oublié ce problème. Va falloir qu'on trouve le monsieur qui nous file les cartes. Alors, où est-il? Merde. Où est-il? Je n'en sais rien. Il va falloir descendre tout doucement. Bon. Donc je disais, on va descendre tout doucement. Ah putain! Voilà. Donc après avoir perdu 3 points de vie gratuits, eh bien on va devoir, je sais pas aller où. Bonjour. Ok. Mais il était joli. Soit dit en passant. Alors, je sais pas ce que je fais, mais je le fais très mal. C'est pas grave. On va essayer de pas mourir, ça serait bête. Surtout que je sais pas où est le dernier. Où est le dernier point de sauvegarde? Ok, cool. Je sais même pas où on va. Oh, trop court. Ok, cool. Bon, bah là, va falloir. Alors, je pense que c'est quelque chose que je peux ouvrir, mais pas maintenant. De toute façon, il m'en faut des clés, des trucs comme ça. C'est quoi ça? Je ne sais pas, c'est pas grave. On reprend notre petit point de vie, on se casse. Tranquille. Je suis bête, hein. Ok, alors ne pas taper là-dedans. Mais genre vraiment pas. Ça enlève 2 points de vie. À gauche ou à droite? Bizarrement, je vais aller à gauche. Je ne sais pas où je vais, mais j'y vais. C'est trop calme. Ça sent le boss là. Ah, tu es gentil. Clotte. Ah, les petits pas d'une petite créature, peut-être une aventurière comme moi. D'accord, donc en fait, c'est une femme. Cherches-tu des endroits dangereux? Eh bien, tu es sur la bonne route. Une bestiole au long cou m'a averti d'une tribu un peu plus bas. Elle m'a dit que ce sont des sortes de guerriers et j'ai vraiment très envie de les battre. De me battre. Bon, c'est presque pareil. D'accord, ben écoute, on va aller voir là-bas si j'y suis. Oh! On peut rebondir là-dessus? Ah oh, ça c'est cool ça. Non. Ah! Décidément, quand ça veut pas. Voilà. Un peu l'argent, parce qu'on sait tous que l'argent c'est très bien. Toutoulou. Allez. Hop. Me suis planté. Me suis replanté et j'oublie toujours que j'ai un dash, c'est vraiment dommage. Ok, faut que je me remette dans la mécanique du jeu, je vais y arriver. Oh. Faut que je me remette dans la mécanique du jeu en fait. Surtout après, si je dois remonter, ça va être une galère. Bonjour.
D'accord, bon, ils explosent quasiment tous. C'est pas bon à savoir. Ok, même après la mort. Bon. C'est insupportable, ça, par contre. Et là, tu meurs. Ouais, voilà. Ah. Donne-moi de l'âme. Donne-moi des âmes. Ornette! Reviens ici, vilaine. J'ai envie de la suivre quand même. Je vais la suivre de ce pas. Reviens! Mais quelle tricheuse! Ici se termine la route des pèlerins. Le cœur d'Alonès s'ouvre devant vous. Continuez d'avancer pour partager sa gloire. Alors, si j'avance, je meurs. Je ne peux pas monter. Non, je peux vraiment pas. J'ai essayé, hein. C'est pas un pont qui se construit sous mes pieds, tant pis, donc on va passer par en dessous. Allez, on est parti. Ça va, ils vont pas m'exploser au visage. Ils sont plutôt sympas. Lui, par contre. D'accord, ça explose quoi qu'il arrive. Allez, on se casse, hein. On va pas chercher, on va pas chipoter. Alors là, par contre, bon. J'ai dû louper plein de trucs, genre là-haut et tout. Mais c'est pas grave, allez, c'est pas grave. De toute façon, on n'a pas de carte. C'est bizarre qu'ils nous en mettent un pour rebondir ici, en fait. Qu'est-ce que... Des mantes religieuses. Je n'aime pas trop ça, les mantes religieuses, en vrai. Ça, c'est quoi, ça? Juste une guêpe. Pif! Pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Ok, fallait juste que je l'ouvre et puis c'est bon. Suis vraiment mauvais. Ok. Bon, bah, tu reviendras. Ok, donc là, il y a une sortie. Et ici, qu'est-ce qu'on a? On a des champignons pour monter, et là, on a que dalle. Tu me gênes. Tu me gênes. Mais je peux pas l'attaquer plus haut. Ok. On se soigne tranquille, on frôle. Qu'est-ce qu'il y a là? Voyageurs cherchant la mort, bienvenue. Puissiez-vous trouver une fin rapide, hein, entre nos pinces. C'est toujours sympa, une comment ça s'appelle, hein? Une montre religieuse. Et quand ça veut pas, ça veut pas, hein. Autant la première, ça s'est très bien passé, autant celle-là. J'ai du mal, j'éprouve des difficultés techniques. Bon, on va descendre par là. Ah oui, donc ça attaque si haut. Qu'est-ce qui s'est passé avec la caméra là? Oula. Plus jamais ça, merci. Mais j'arrive à rien. Ah. Faut que j'arrive à me concentrer. Pourtant, je suis concentré, c'est juste que j'arrive pas à grand-chose. Une punaise, je l'ai attaqué. Tant pis. Je veux aller au banc. Oui, monsieur banc. Est-ce qu'il est là? Je pense pas. Par contre, il y a un monstre.
Il y a un monstre qui a l'air de souffrir. Je sais pas ce qu'il fait, mais... Je sais pas où je vais, mais j'y vais. Ok, donc ça s'ouvre pas maintenant. Oh, un truc. J'examine. Le maître de la célérité. Oh! Ils sont trop cool, ces champignons. Les champignons. En fait, ça m'énerve même de les taper, les champignons, parce que je me dis qu'ils sont très cool. Mais à quoi il sert mon maître de la célérité? Je sais pas, moi. Faudrait que j'aille voir un banc. Donc, faudrait que je trouve un banc. Non, je pensais que je pouvais aller dessus. Bon, le mur n'est pas cassable. Et donc, le monsieur au-dessus de nous, je sais pas ce qu'il faut en faire. Tant pis. On va aller chercher un banc et après, on verra. Bon, on va voir. D'accord, mais il était juste là. J'aimerais bien voir ce que ça fait. Alors, un charme qui donne à son porteur l'apparence d'un insecte excentrique connu uniquement sous le nom de maître de la célérité. Permet à son porteur d'effectuer des ruées en avant plus souvent et d'effectuer des ruées vers le bas. Parfait pour ceux qui veulent se déplacer aussi rapidement que possible. Ouais, non. J'ai pas trop envie. Par contre, le capturam... On va tester, on va voir si ça fonctionne et on va mettre une épée un peu plus longue. Alors, je vois pas beaucoup de différence. Et je ne peux pas aller là-bas. Donc, il faut que je remonte. Oups. C'est au moment où tu ne trouves pas le monsieur qui a une carte et qui sait où c'est qu'il y a des boss et que tu cherches encore et encore. Aïe. Décidément, quand ça veut pas, ça ne veut pas. Tu vas me dire après, j'ai du mana ou de la mana, comme vous voulez. Je suis pas très difficile là-dessus. Hop. Et décidément, ça veut pas. Oh là là, quelle catastrophe. Mais j'arriverai jamais à la fin du jeu comme ça, sans déconner. Allez! Zou! Go, chardonnay, go! Je suis tombé, parce que je regardais pas. Hop! Bon, là, je peux y aller. Cela encore, ça passe. Le village des Mantes. Ok, donc on approche. J'oubliais que j'avais un pouvoir. Ben voilà, enfin une qui ne m'a pas mis de dégâts dans la tête. Alors par contre, je peux pas aller là. Ah là là. Bonjour. Bon, ça commence à bien se passer. Au revoir. Du. Et à partir d'ici, on fait quoi? Ah, ça! D'accord, donc ça, c'est des... C'est des interrupteurs. Eh bien, soit. Ouvrons alors tous les interrupteurs pour avancer. De toute façon, c'est la seule chose que je peux faire pour l'instant. Essayer d'avancer là-dedans. Hop là. Donc là-haut, je peux pas y aller. Oh là là! Ok. Ensuite. Aïe. Okay, cool. On avance petit à petit. Et je vais aller là.
Et qu'est-ce qu'on a? Pince de la menthe religieuse. Appuyez sur A tout en glissant contre le mur pour vous élancer et sauter de nouveau. Oh, je peux enfin grimper au mur. C'est plutôt facile. Enfin, facile. Ce que j'entends par là, c'est que c'est un pouvoir qui est donné, quoi. C'est. Bon, bah, soit. Écoute, moi ça me va, hein. Je vais pas me plaindre. Et on peut glisser au mur. Ouais, on peut faire ça et tout. Est-ce qu'on peut de suite? Ouais, ok. Ça, c'est cool. Donc, en fait, si je peux venir ici. Bonjour. Mince, je voulais pas forcément monter là, vu qu'il y avait encore plein de choses. Enfin, plein. Ok. Donc, ça y est, le jeu de plateforme y commence. Ça va être la joie. Ça va, c'est plutôt réactif. Il n'y a pas de temps mort, il n'y a pas. Alors, est-ce que ça ouvre que ici? Parce que ça, c'est une vraie question. Est-ce que ça n'a ouvert que ici ou il y avait une autre porte? Oh non, le fait de rentrer et repartir, ça a fait respawn tout le monde. Eh oui, tant pis pour moi. Hop. Parce que je sais autant, c'est pas grave. Parce que je sais pas ce que j'ai ouvert de plus en vrai. Mais c'est pas grave, maintenant on va pouvoir monter. C'est quoi ça? Je ne sais pas. Ok. Oula. Ah, j'ai encore un pouvoir. Enfin, pas un pouvoir, mais un truc. C'est pas du tout ce que je voulais faire. Le journal d'un voyageur. Bah, très bien. Au revoir. Mais je sais pas où je vais. Je suis retombé. C'est pas grave, je regagne de la vie. Allez, zou. Oh. On se casse. Tout, 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 tout. Absolument rien. Je peux pas essayer de monter. Apparemment, non. Tant pis. Mais là que j'ai ça, j'ai plus besoin de double. J'allais dire, j'ai plus besoin de double saut, mais si, parce que sinon je peux pas atteindre la salle juste à côté. C'est juste qu'il faut que je fasse attention en montant. Punaise. On va voir là-bas si j'y suis. Faudrait que je trouve un banc aussi. Est-ce qu'on était déjà allé là? J'ai l'impression que oui. J'ai l'impression que je tourne en rond, la vérité. Ouais, ici on est déjà venu. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, il y avait des champis. Je les ai vus après. Là, là-bas, il y a un truc, non? Ouais. Allez. Qu'est-ce qu'il y a par là? Parce qu'ici, je suis sûr de ne pas y être allé. Toujours les champignons, de la lumière, bif. Ah! J'ai vraiment du mal avec ces champignons. Ah, d'accord. Aïe aïe aïe. Non, non. Je ne veux pas tomber. Là-bas, ça a l'air très dangereux. C'est pour ça qu'on va s'empresser d'y aller. Ah, il y a un larveau, merde! Oui, j'ai regardé l'épisode de la semaine dernière et j'ai compris que c'était larvo merde que je cherchais. Et pas chenille merde ou chenille d'aube ou ce que vous voulez.
Hop. Il y a un trou là? D'accord. Eh bien, soit. Oh, cool. On sait pas où on va, mais on y va, hein, ça. Cette fois, la carte a été vraiment au début de la map. Ah, d'accord, ça me. Ça me fait des dégâts quand même. La carte elle était au début de la zone et on n'a rien vu. Eh bien bravo Nils, hein. Super pour la carte, je te remercie. Allez, je vais pas toucher le sol. The floor is lava. Oh, alors c'est pas de la lava mais c'est presque ça. Meurs, meurs, ok. The floor is lava. Ah, ici on n'y est pas allé. Oh non, c'est compliqué. Ah, oh non. Donc ici il n'y a absolument rien. Je suis très content d'être venu là. Ah. Pff. Ok. Alors j'ai du bol. Qu'est-ce que. J'ai lagué. C'est mon ordi qui a pas supporté le saut. Ok. Et un larve aux merdes en plus, hein. On est heureux d'avoir des larves, merde. Oh putain. Non, 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 non. Mais je ne peux pas y aller là-bas. Je peux. Oh là là. Tout ça pour avoir quoi? Un champi-sport. D'accord. Je sais pas ce que c'est. Non, mais ce qui veut dire que venir ici, c'était juste pour un. Pour une upgrade, enfin pour un pouvoir, bon, on est content d'avoir le pouvoir, hein, je dis pas, enfin le pouvoir, l'amélioration on va dire. Mais être venu que pour ça, ça fait un peu suer. Hop là. Petit rebond tranquille, on se barre. Jusqu'à un moment donné, je vais être obligé de tourner en rond parce que je saurais pas où aller. Tout simplement. On n'est pas allé en haut, je crois. Non, je crois pas. Et hop là. Ah, un papier! Oh, des papiers! Il est où? Il est où? Je le veux. Oui, du papier. Là-bas. Va-t'en, je veux des papiers, je veux une carte, s'il te plaît. Il est où? Bon, là-bas, il y a le... Il y a le, on va dire, le métro local. Station de la Reine. Attends, mais on est déjà venu par là, non? Ah! Merde. Ah, je suis pas très fan de ces trucs-là. Punaise. Ok, ensuite. Ok, et maintenant. Non! Oh non, je reprends tout en bas. Pff. Ok, cool. C'était facile. Oui, mon deuxième quart de cœur. C'était très facile. Tout le monde y croyait. Moi y compris.
Bonjour. Salut. Willow. Oh, êtes-vous venu à la recherche de friandises? J'ai trouvé un petit champignon unique grandissant juste au-dessus de nous. Je l'ai trouvé uniquement dans cette station. Il a un goût tout simplement divin. Eh bien, merci. Ce lieu a été bâti entre deux terres où poussent des bulbes d'un côté et se forment les brumes de l'autre. Mais aucun de ces endroits ne me semble particulièrement accueillant. Alors, je pense que je vais rester ici et profiter de mes petits plaisirs. Je pense que, vu comme ça, c'est une bonne idée. Mais par contre, excuse-moi, mais tu ne me sers strictement à rien. J'ai juste cru que t'étais un monstre comme les autres. Bravo. Bel état d'esprit. Géraldine, on va l'appeler. Non, c'était Willow, je crois. Ok, un banc. Alors, les bancs, c'est cool. Et on n'a pas la carte d'ici? Non, toujours pas. Il est où? Il y avait des papiers, puis d'un jour plus de papiers, et puis il était au WC, plus de papiers. Non, c'est pas drôle. Donc là, on en vient. Là, on n'y est pas allé. Normal, il n'y a absolument rien. Ah, mince! Et là, on se retrouve avec les méduses. Mais les méduses, on était bloqués là-dessus, non? Je crois, hein. C'est quoi ça? Bonjour? Bonjour, mon cher. J'étais sur le point de fermer et de partir. Millibel, la banquière. Oh! Perdre des géos est une chose terrible et cela a beaucoup plus de chances de se produire si vous les portez sur vous. Mon coffre-fort est beaucoup plus sûr. Je suis banquière depuis de nombreuses années et je n'ai jamais perdu un seul géo. Considérez-vous d'ouvrir un compte? Payer pour ouvrir un compte. Bah, ça dépend en vrai, parce que si je suis obligé de revenir ici à chaque fois que je veux acheter quelque chose, ça va m'énerver. Mais je le fais quand même. Bah, j'imagine que le jeu. Vous êtes un petit futé la prochaine fois qu'une de ces affreuses bêtes aura le dessus sur vous. Vous serez content de savoir que vos géos sont en sécurité dans ma coquille, mon coffre-fort. Ok. Faisons donc maintenant une transaction. Dépôt. Est-ce qu'elle va me demander de l'argent pour retirer? Genre retrait. Non, c'est bon. Ok, pourquoi pas. Bon, ben. On sait qu'on a 600 en sécurité. Et on est heureux de ce constat. On est heureux, mais on n'a toujours pas trouvé nos papiers. Donc j'ai envie de chercher. Parce que quand même, je trouve ça bizarre de ne pas l'avoir trouvé, quoi. Il y a un papier là, il y a un papier là. S'il faut, il est au-dessus, là-bas. Allez. Déjà, on l'entend pas. Ce qui m'étonne. C'est vraiment bizarre qu'on l'entende pas. Tiens-toi là. Bon, eux, ils me gonflent en vrai. Je sais pas où je suis allé. Est-ce que c'est là où on est descendu la première fois? Ça m'étonnerait, je me souviens pas de ça. Non, je m'en souviens pas du tout. Ouh là là, vite, examinons. Saut à l'honnête. Bim, dans la tronche. Voilà, on est heureux. On se casse, on se casse. Ok, cool. On se soigne. Oui, on se soigne. Le petit gros con dit doudou. Donc on n'est pas allé là si on n'est pas allé sur cette map. Mais il est où? Ok, on repart. Où est le monsieur qui donne des papiers? Fais une carte, pas des papiers, mais enfin voilà quoi. Bon, prenons ça dans l'autre sens. Si on voit des papiers ici, qu'on descend, que ces papiers amène là. Puis là. Est-ce que par hasard, il serait là-bas? Je pense qu'il était là.
Y a absolument rien. Ah, punaise! Est-ce qu'il est en ville? Vu que il m'a, enfin, les papiers l'amènent vers la station de l'arène. C'est quand même bizarre. Mais tu vas me dire, j'ai débloqué le pouvoir sans forcément tuer de boss. Et ça, c'est encore plus bizarre. Donc je tourne en rond. Quelque chose qu'on aime bien. Hein. Tourner en rond, c'est vraiment notre petit plaisir. Hop! On met la carte à jour, même si on n'a pas la carte. Ding! On va les voir en ville. Attendez. En vrai, je veux bien aller en ville. Mais qui dit carte dit argent. Qui dit argent dit bancaire. Donc en fait, ce que j'ai fait sert à rien. Bon, on ne savait pas, d'accord? Mais on va quand même retirer. Parce que j'ai pas envie de me retrouver comme un idiot. Et de devoir refaire le chemin inverse. Retrait. Je pense qu'avec 300. Bon, en fait, je vais tout prendre parce que j'aurais vraiment mal s'il me demande plus que ça quand même. Ça m'étonnerait parce que les cartes n'ont jamais été trop chères. Mais on sait jamais. J'ai pas envie de me retaper tout le bordel. Et de monter ici, il y a quoi là? Il y a les méduses énervées, mais après, je sais pas. Bon, on va aller en ville. On va aller en ville parce que s'il faut. Il a laissé la carte à la. Bah, à sa femme, tout simplement. Je suis là. On y va. Oui, la station de l'arène est ouverte à nouveau. Cet endroit était un lieu de passage animé, parfaitement situé pour les voyageurs visitant les bords extérieurs du territoire. Vous êtes un véritable explorateur pour avoir réussi à trouver cet endroit. Je fais ce que je peux. Mais je veux. Ah. Non. Allez, on va à Dirtmouth. Ou la mouche. La mouche, la bouche, plutôt, de terre. On avait un truc à faire aussi à Dirtmouth. On avait débloqué un machin. Oui, bon, un machin. Attendez. Je sais même plus si on l'avait fait ça. Bonjour papy. Ici, il y a quoi? C'était pas ouvert ça avant, si? Si. Si. Ah non, c'était le monsieur qu'on avait trouvé en bas. Qu'est-ce qu'il veut? Un éclat de masque, un quart de cœur à 150. Un quart de réceptacle, donc j'imagine que. Je sais pas. En vrai, je sais pas ce que c'est. Une clé à 950, c'est cher. Et 5 œillères. Perds-tu beaucoup de géos dans les cavernes? Ce charme récoltera pour toi les géos que tu perds en chemin. Pourquoi pas? Carapace infragile, ça peut être bien. Oh là là! Une lumière pour vous guider. Ça peut être bien aussi. Et un affrance. Je l'ai trouvé cette comptoir. Sous le comptoir, pardon. D'accord, bon. On a un nouveau vendeur. Mais il demande des trucs très chers. Et toi, qu'est-ce que t'as à nous dire cette fois-ci? Oh mais quelle bonne surprise! Le marchand est revenu. Si tu es intéressé par sa marchandise, il est dur en affaires. Aucune concurrence. C'est bien ça là, le problème. C'est mauvais pour les affaires. Non pas qu'ils s'en pêlent. Pourquoi le banc il brille? Ça c'est la gare. Ici on a quoi? Ah, dis-moi que t'as une carte. Oui, la caverne nocive. J'avais raison, s'il n'était pas à l'endroit bizarre. Ah, c'est bien ça. Donc on va y retourner. Alors toi t'es un petit con. De l'autre. En fait, de l'autre côté, il y avait un. Ça là. On n'a pas trouvé la clé? Non. Je sais pas, vu qu'on avait un emblème d'Alonest ou je sais pas quoi. J'ai cru que c'était là-bas. Et si nous allions voir nos amis les larvaux merde? Elles vont nous donner pas mal d'argent.
On aime l'argent. Surtout quand il nous en faut 1800 pour avoir une lanterne. Mais je pense que la lanterne, elle est plus que qu'inévitable en vrai. Parce que pour un prix comme ça. Oui, des larves aux merdes! Oh oh! Oui! 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 Donne-moi l'argent! Putain, il est vraiment sympa, hein. Ah! Qu'est-ce qu'il m'a donné? Oh, l'argent! Oui! Il m'a donné 350 d'argent quand même. Et ça, c'est quoi? Le champ des larves. Qu'est-ce que c'est? C'est bien des larves, donc, au final. Donc, larves aux merdes. Je ne sais pas ce que c'est, donc on va aller en banc vite fait. Hein? Nice point. Pouf, pouf. Donc on est à 880. Oh là. Donc plus que 1000 pour avoir une lanterne. Est-ce qu'on commencerait à faire les économies? Je pense que c'est utile, sans déconner. Hop, je monte. Je pense que si c'est là, c'est pas pour rien. Donc tous les rogues, les trucs, ils sont pas là pour rien. Alors, regardons nos trucs. Ce charme recèle la gratitude des larves libérées. Permet à son âme de recevoir une petite quantité d'âme lorsqu'il subit des dégâts. Alors, c'est pas mauvais. Et ça, c'est quoi? Un charme composé de matière fongique vivante libère un nuage de spores lors de la canalisation de l'âme. Quand son porteur canalise l'âme, émet un nuage de spores qui endommage lentement les ennemis. Ouais. Ben, en fait, il nous faudrait pardon, plus d'espace. Et malheureusement, l'espace, c'est la madame au gros lolo qui nous l'a donné. Bon, je pense pas qu'elle avait des gros lolos, mais j'avais juste envie de dire ça. Et voilà. Allez, on court, on se raccroche à la vie et on ouvre notre carte. Non, comme ça. Oui! On y voit! Hallelujah! Alors, on était où? Où c'est qu'on peut aller en fait? C'est ça le truc. J'ai loupé pas mal. Où ça? J'ai loupé pas mal. Vers le haut là, en allant. Je peux plus marcher. Hop, en allant vers là-bas. Ok. Oh, s'il te plaît, monte, fais un effort. D'accord, alors apparemment il y a un bloc qui te gêne. C'est pas grave. Là, en montant. Dou 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 dou. J'ai failli tomber. Eh bien, au final, je suis tombé parce que je suis nul. Genre nul. Alors que je voulais monter. Je veux voir ce qu'il y a là-bas. Je veux savoir. Entre les moi. Nina, Nina, je n'aime pas Tarzan. Alors. Hop. On va là-bas. Je suis vraiment mauvais, c'est pas possible. Je voulais juste ouvrir ma carte. Oui, donc c'est là-haut. Allez, on est parti. On risque de mourir. Donc il y a un truc là, je le veux. Comment je l'ai? Question. Pas de réponse. Non. Il faut passer par l'autre côté. Ah, peut-être par là et après on descend. Et on revient sur nos pas. Je ne sais pas, j'en ai aucune idée. Oui, le champignon de l'amour. Alors c'est le premier qui saute pas dès qu'on le rencontre. C'est plutôt étonnant. Je ne m'attendais pas à ce pattern d'attaque. Hop. Alors, je peux aller en haut. C'est bizarre. Mais je vais aller en bas, moi. Mais j'ai tapé, monsieur l'arbitre! Pif, pouf. Boum, 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 boum. Cassez-vous, les champignons. Eh bien, tout ça pour rien. Et on est heureux. Ah, oh, mince. La 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 la. Oui. Ah, c'est vrai que les champignons.
Ah! Je n'y arriverai jamais. Il faut pas aller dans les sports, espèce d'idiot bête. C'est pas compliqué pourtant. Oh, ça je veux. Mais est-ce que c'est le seul que ça ouvre? Je ne sais pas. Et puis il y a ça aussi là. Il y a un gros fatas champignon. Est-ce qu'il nous aime? J'ai peur qu'il bouge en fait, que les portes se ferment et que je sois obligé de les tuer. Parce que ça sent vraiment mauvais comme sale, ça. Voilà. Ah, putain, il y a de bang. Alors là, pour se soigner, ça va être la PLS. C'est où la dernière fois que j'ai sauvegardé déjà? Oh, merde. Ouais, la carte est mise à jour, je suis très heureux de ça. Au moins, je pourrais voir où je suis mort. Saleté de champignon à la con. S'il te plaît. Oui, calme-toi, calme-toi. Pourquoi je suis mort comme ça? Bon, en même temps, comment je pouvais savoir qui allait faire un headbang? Alors déjà, on va se remettre ici. Ça peut déjà être une bonne idée, je pense. Puis on remonte tranquillement. On ne s'énerve surtout pas. Sinon après, on va s'énerver. Alors, pour la petite question, on stream une fois par semaine pour l'instant. On verra comment ça évolue. Et on s'amuse. C'est surtout ça. Ah là là! Je voulais ouvrir ma carte. Alors, on est mort là-haut. Oui, on continue. Pouf! Et ça fait la troisième ou quatrième fois que je fais la même chose à cet endroit précis. Et il fallait... Ah oui, je voulais monter là. Et après, je suis parti où? En haut. Enfin, je suis pas parti en haut, mais c'est là qu'il faudra aller. Ok, on ramasse les géos parce que géo trouve tout. Alors, c'est en dessous. Alors, déjà, reviens ici, mon petit. Rends-moi mon argent. J'aurais dû les déposer à la banque. Bon, on s'en fout. Paf, pif, pouf. On va s'en occuper d'un et le reste, on verra après. Oh. Saloperie! Ah, c'est dès qu'il y en a un qui est de bang, on s'en va sur l'autre. Ok, très bien. T'as me faire une poêlée, moi! Salopard! C'est où? Voilà. Donc en fait, c'était facile, hein. C'est juste que j'ai paniqué. Qu'est-ce qu'il me donne? Emplacement de charme. Mais tous les jours? Mais donnez-moi-en 18, s'il vous plaît. J'en veux d'autres. Alors, en fait, ces petits sauts, c'était vraiment mauvais. Donc là, on revient sur des trucs qu'on connaît déjà. Ouvrons la carte. Donc oui, on peut aller au-dessus parce qu'il y a un banc. Donc on va faire ça. Évidemment. Nous avons un emplacement. Oh, mais on va pouvoir de suite mettre un truc. Hop, hop. Hop, hop là, hop là, hop là. Alors, ok. Je suis trop fort. Le dites à personne. C'est un secret.
me repose. J'ouvre et je veux mon ma petite larve. Voilà. C'est déjà pas mal. On est pas mal. On est pas malot. Sauf qu'en fait, aller à gauche, on peut pas. Vu qu'il y a ça, et je peux pas. Non. Je pense que je ne peux pas dasher en dessous. Et j'ai pas forcément envie de m'y risquer, en vrai. Hop. Donc on redescend tranquillement. Et donc on va aller à droite. On va faire ça, allez. On va voir si on peut aller à droite. Maintenant qu'on a une carte. Oui! Thierry Henry. Oh. Je sais même pas pourquoi Thierry Henry, mais c'est pas grave. Il fait bien ce petit monstre. À chaque fois, hein, je. Pif. Alors, qu'est-ce que nous avons ici déjà? Il n'y a pas une porte là qui voulait pas s'ouvrir, c'est pour ça que je pouvais pas y aller. Hop. Donc je vais retourner en rond en fait. On va en bas. Ok, au revoir. On n'est pas allé là. Hein. Et pourtant c'était ouvert. Ça sent le boss. Qu'est-ce que c'est que ça? Nous nous souvenons de l'ancien. Eh bien, c'est bien, parce que moi aussi, en fait, non, pas du tout, je sais même pas de quoi tu parles. C'est tout? Nous nous souvenons de l'ancien. Bon, eh bien, ok, merci. Merci d'être venu, c'est la fin de cet épisode, retrouvez-nous sur YouTube. On peut aller en dessous, en vrai, à droite. Je pense que c'est ce qu'on va faire. On va essayer de descendre. Oui. Pof, pof, pof. Boing, d'accord, donc là j'ai trouvé un raccourci. Je suis très content, sans déconner. Très heureux d'être parmi vous ce soir. Hop là. Et je préfère ça. Bon, on en venait de là? Je sais plus. Si on y allait. Et lui, il est mort là. Quel brêle. Allez. Le mec aucun respect. Et lui, il est mort. Il est nul. Ah oui, bah oui, là. Ah, mais maintenant on peut? Je suis très intelligent. Donc nous allons voir. Madame la casse-noisette. Qui s'appelle Ornette. Bonjour. Je veux le mana pour me soigner. La la la. Ah, c'était in the light. Et maintenant, je fais comment là? Alors, c'était presque ça. Oh bah bonjour, c'est gratuit. Eh, c'est joli. Ok, sauf que faut quand même que je me tape ça, quoi. Allez, 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 je suis trop fort, je suis trop fort, allez. Et qui peut me stopper? Je viens de loin. Allez, pim! Je suis trop fort. Et maintenant, une statue de chevalier. Il y a une cavité sur la poitrine. Insérez le blason de la ville. Eh ben, je savais bien qu'il servait à quelque chose, notre blason. Merci! Ok. Il y a des morts. Et la porte s'est refermée. Et je suis pas heureux. Et je sais pas où on va. Et je pense que vers là-bas, il y a un truc sympa. De l'argent! Et oui! Il y a un truc là. Je ne sais pas quoi faire. Je pense qu'on aura un pouvoir plus tard. Faut que j'arrête de me dire, tiens, qu'est-ce qu'il faut faire là, là ou là? Parce que après, je vais avoir des pouvoirs et je vais dire, ah ben oui, en fait, il fallait faire ça. C'est quoi ça là-haut? Ok, alors on va soigner.
Et on va attendre un peu, on va se reprendre les esprits parce que j'ai cru que j'allais mourir. J'étais surpris par cet oiseau kamikaze. Bon, on retrouve les premiers monstres du jeu. Qu'est-ce qu'il y a par là-bas? Est-ce qu'on a la carte? J'imagine que non. Oh! Non! Bon. C'est toi qui fais du bruit? Arrête! C'est toi qui as fait ce bruit là? Ah! Ok, alors les oiseaux kamikazes, on les reconnaîtra par leur bruit désagréable et leur explosion. Voilà. Je pense que on peut se dire ça. Donc nous avançons tranquillement. Bonjour. Salaud. Tu es nul. Tu es très nul. Oh, c'est beau. C'est très très beau. Non, sans déconner, le jeu est beau quand même, hein. Faut se l'avouer. La pâte graphique est très sympathique. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Non! D'accord, c'est comment gérer un ascenseur. Bientôt, je vous ferai un tuto. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vous ferai un tuto comment utiliser un ascenseur. Je pense que c'est la meilleure des solutions. Bon, alors, comment on gère cet ascenseur? Alors, excusez-moi, mais déjà, il y avait quelque chose là. Les grandes portes ont été scellées, nul n'entrera, nul ne partira. Ces messages sont quand même bizarres. Hop. Reviens, petit ascenseur. Merci bien. Ok. Oh! Quirrell, c'est ça? Comme le professeur? En plus, il a un masque et tout. Oh, on est tranquillement entre potes, entre couilles. Non, tu veux pas parler? Bon. La capitale est juste devant nous, mon ami. Cet endroit semble si sombre, mais c'est là que l'on pourra trouver les réponses à plus de mystères. Moi aussi, j'ai ressenti l'appel de cet endroit, mais maintenant que je suis assis juste devant, je suis hésitant à descendre. Je me demande si c'est la peur qui m'en empêche ou s'il s'agit de quelque chose d'autre. Écoute, si tu me suis pas, c'est que t'as peur. Moi, je suis vaillant. Non, c'est pas vrai, non. Je suis une grosse flippette dans la vie, donc si j'y vais, c'est que, ben, ok, j'ai une grosse peur. Aucun rapport. Alors, toi. Alors, je me suis donné devant lui. Je n'ai pas apprécié. Oui, mais à quoi sert l'ascenseur? C'est quoi ça? D'accord, c'était un coffre rempli de d'argent. Trop cher, trop grand. La vie n'a pas. Je peux aller dans l'eau ou? Oh, je peux nager! Nage, petit bonhomme, nage! Cette musique n'a aucun. Ok. C'est pas grave. Ça n'existe pas dans la vraie vie. S'il faut, oui. Vous cherchez nage, petit bonhomme nage. Oh non, pas ces mouches! Tu m'enquiquines. Tu m'enquiquines sévère, mon petit. Ouais! Look at my bot is amazing. C'est quoi ça? C'est juste une fontaine. Ok, j'ai détruit une fontaine. C'est quoi ça? J'ai peur maintenant, moi. Et c'est quoi tout ça là? Une petite mouche. J'ai peur qu'il y avait quelque chose en dessous, j'ai rêvé. J'ai complètement rêvé. Je fabule même. Y a le bruit d'un forgeron. Oh! J'ai trouvé un forgeron. Et il y a des clous un peu partout, donc s'il pouvait améliorer mon arme, je serais très heureux. M'as-tu apporté un autre aiguillon amélioré? Pose-le par terre et reviens plus tard si tu t'inspires encore. Oh, je t'ai pris pour quelqu'un d'autre.
Cherches-tu un fabricant d'aiguillons? Fabricant d'aiguillons. D'accord, il a même pas de prénom, le pauvre, il s'appelle juste fabricant d'aiguillons. Mais si c'est un aiguillon qui a besoin d'être réparé, alors tu as trouvé le bon insecte. Ton aiguillon est en piteux état. Celui-ci n'est évidemment pas un des miens. Cependant, peut-être. Non, tout peut être perfectionné avec assez d'efforts et d'habileté, même cette relique brisée. Je peux reforger ton aiguillon si tu veux, cela rendra la lame bien plus létale. Fais-le! Oui! Non! Mais évidemment que je suis intéressé. Tant pis pour les 1800. Je veux. Oui! Non, mais c'est pas possible. Quand tu rappuies sur gauche, quand tu es sur le oui, ça repart sur le non. Ok, on y est arrivé. Prochain tuto, comment acheter une arme. Ouh. Sans appuyer sur non trois fois. Voilà, j'ai fini de reforger ton arme. J'ai affûté la pointe de ton aiguillon. Tu verras, il est maintenant bien plus puissant qu'il ne l'était autrefois. Va dehors et teste sa puissance contre tes adversaires. Alors évidemment, comme dans tout Rogue, je vais sortir, je vais rentrer et lui dire bonjour. J'ai envie que tu me rameliores. Si tu me donnes un morceau de minerai pâle, je peux le forger dans ton aiguillon pour le rendre un peu plus puissant. D'accord, donc maintenant je dois trouver un minerai pâle. Mais au moins on sait qu'on a pu améliorer notre bousin. On n'a aucune carte. Et on saute. Oh bonjour. Eh, je l'ai one shot. Eh, je l'ai two shot maintenant. Je suis OP. Toi là. Est-ce que je te trichote? Non, toujours 4. Bon, il y a certains boss, il veut pas. Ça, par contre, ça va être trop bien contre les mouches. Là. Ces saletés de mouches. Je les déteste. Bon, maintenant, je peux aller là. Enfin, maintenant, je peux aller là. Je pouvais y aller avant. Ah oui! On peut se parer et tout. Mais j'ai l'impression que mes dégâts sont passés, même si je le pare. Salaud. Et là, ça fait 4. Je sais même pas où je vais. Je pense que d'aller à droite, c'est bien. Parce que je viens de la droite ou je viens pas de la droite? Je ne sais. Je sais plus. Pourquoi j'ai un chargement de 8 ans? J'espère que le jeu n'a pas explosé. Bon, on est où? Ok, on reprend ici. Je suis très en joie. Allez, c'est pas grave. Merci, Draenei. Draenei roi, pardon. Draenei, oui. Tu sauras ce que je décide. Tout simplement. Ouais, en fait, tout a été fait. C'est comme si... Non. Non, aucune carte. C'est bizarre. Est-ce que mon... Oui, bah en fait, tout a été fait. J'ai rien perdu, bizarrement. Genre, j'ai bien one-shot un mob, donc mon clou, il fait bien les dégâts que j'ai fait. C'est juste que j'ai voulu me déplacer vers un endroit et il a pas voulu. Décidément, c'est bon ça. Ok, bon ben. C'est pas grave. Au final, tout est bien qui finit bien, même si on a perdu, allez, 5-10 minutes. C'est pas grave. Salaud! Hop, c'est quoi ça? Un mécanisme avec un trou de serrure simple. Et définitivement, il me faut la clé, sans déconner, si je veux continuer à avancer. On va aller voir là-bas si j'y suis. J'ai toujours pas de carte. Où est le monsieur? Qu'est-ce que... Cinématique. Est-ce que ça va bugger? Non, ça va. Alors, il y a plein de A. Des statues d'une... Bonjour, c'est Ornette. Est-ce que tu veux encore qu'on se foute sur la gueule? Nous nous rencontrons à nouveau, petit fantôme.
Je suis normalement très perspicace, mais toi, je t'ai sous-estimé. Cependant, je pense avoir deviné la vérité. Oh, si elle détient l'amour et la vérité, je pense qu'elle est bien. Tu as vu, au-delà des frontières du royaume, ta résilience est née de deux vides. Quoi? Cela n'est alors pas étonnant que tu aies réussi à atteindre le cœur de ce monde. Ce faisant, tu connaîtras le sacrifice qui le maintient encore debout. Si en sachant cette vérité, tu essayes malgré tout de jouer un rôle dans la perpétuation d'Alonest, lance-toi à la recherche de la tombe de cendre et la marque qu'elle peut octroyer à un être comme toi. Ok, merci! Mais cette statue est de toute beauté! Ah, monument à la mémoire de Hollow Knight, dans le tombeau noir bien au-dessus, Alonest perdure. D'accord, donc il ressemblait à ça, Hollow Knight. Le temple de l'œuf noir est ajouté à la carte. Je ne sais pas ce que c'est. Et là, c'est fermé. Et je peux pas monter. Et je peux pas aller en dessous. Oh, en plus, il y avait un bonshomme. Bon, tant pis. Ok, donc je suis allé là, et il y a un truc de l'œuf noir qui a été ouvert. Je peux plus taper? Ah si. Eh bien, montons. Regarde, on monte. Alors, le petit coffre. Merci bien. L'argent. Non! Donc ça, c'était pour l'ascenseur. Ok. Moi, je vais ouvrir cette porte, mais je ne peux pas. Donc à la place, ben, je vais... Bon, on s'en va. Il me faut une clé. Si je veux débloquer des trucs, il me faut une clé. Mais elle coûte 900. Et la lanterne, elle coûte cher. Je suis sûr que je peux monter sur ces plateformes. Ouais, j'en étais sûr. Ah, maintenant il vole. Mais il est mort. Il avait 3 points de vie. Et lui, il a combien? Toujours 4. Ah, s'il faut, je peux monter par là-bas. Il y a des trucs magiques. Ah, exactement. Pas folle la guêpe. Ah oui, tu es super énervé, toi. Le sceau d'Alonest. C'était gratuit, ça. Paf, vilain. Non, je voulais aller là-bas, je sais pas où je... Alors, je vais remonter pour voir s'il y a une autre sortie. J'ai 1000 toupils. En gros, il me faut 2850, si je dis pas de bêtises. Ce qui fait cher. J'ai qu'à 1000. Je sais même pas vers quoi je tends. J'ai mis complètement en PLS, lui, en fait. Oh, ben lui aussi. C'est pas Hollow Knight que ça devrait s'appeler, mais PLS. Guy. Allez, casse-toi. Ouais, il y a un truc là. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Oh, j'ai cru que ça va encore planter. On a un gros monsieur. Ok, on a une PLS. On a encore et encore des ascenseurs. Oh là là! Alors le gros monsieur, il veut pas me respecter. C'est pas grave. Salut. Ok, j'ai atterri, pardon, juste devant lui. Je suis atterri. Moi, parle bien France, oui. Décidément. Quand ça veut pas, ça veut pas. Oh non, il y a un oiseau. Brava! Putain, il a une lance, lui. Alors, heureusement, je l'ai vu arriver, parce que sinon, qu'est-ce que ça aurait été? Allez, saute, petit homme. Il y a un oiseau qui veut se suicider. Ça, c'est trop bizarre. Je suis dans le... Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que c'était l'oiseau? L'oiseau, l'oiseau, l'oiseau et le mot? C'était lui ou... On sait pas.
À moi, à moi! Ah! Je sais pas viser. Merci bien. Ce moment où tu touchotes les monstres, c'était heureux quand même. Alors, je veux l'argent, parce que j'en ai besoin. Excusez-moi, ça va être relou. L'oiseau, je le vois là. Salut! Tout ça pour rien en plus. Tant pis. Bois, bois! Et paf! Ça fait pas de Chocapic, ça fait un truc mort. Donc on redescend par là. Doucement. J'aime ouvrir les portes. Je sais pas où je vais, mais j'y vais alors. Il y a un banc là-haut. Oh! Et il y a un larvomerde. Larvomerde à l'attaque! Oui, larvomerde. Merci, larvomerde. On monte. Il y a un banc là-haut. Et il y a un papier. Oh, il y a un papier. Merde. Il y en a un autre. Ouais, voilà. Petite arène, hein. Encore ou pas encore? Arène très rapide. Disons-le. Il y a quelque chose là ou pas? Bonsoir, monsieur Branda. Je n'avais pas vu. Parce que je suis tellement concentré et je dis tellement n'importe quoi. Qu'est-ce que quoi? C'est quoi ça? Ça, c'est de la faute de monsieur Branda. Mais je peux te tuer ou... D'accord, donc il est touchable. Il est juste ultra casse-couille. Ok, c'est un monstre comme un autre. Soit. Eh bien, en fait, sans déconner, je veux pas jouer la fiotte, mais un peu. Je veux juste aller trouver mon banc. J'ai pas envie de mourir maintenant. Donc à la recherche du banc perdu, et surtout de la carte. Bon, tant pis. Hop. Deux fois. Où est la carte? Où est la carte? Il y a des papiers partout, s'il te plaît. Dis-moi qui. Oh, il fait du bruit, oui, il est là. Alors déjà, on va payer pour avoir un banc. Oui, voilà. On est heureux de gaspiller de l'argent alors qu'on a besoin d'une lanterne et d'une clé. Et on va surtout acheter une carte. Ah oui, oui, je veux que tu me donnes une carte, oui. 90, bon ça va, on va pas non plus s'en plaindre. Oui, j'ai la carte, regardez, j'ai la carte. Ah, bon alors on va où? Je ne sais pas, on peut monter, il y a un banc et un truc. J'ai oublié ce que c'était le violet, est-ce que c'est une station de métro? J'ai envie de dire oui. Comme ça j'ai envie de dire oui, mais de l'autre j'ai envie d'aller de l'autre côté là-bas parce qu'il risque d'y avoir des pouvoirs. Allez go. Bon, au moins on a un banc. Bonjour. Ah, tu me saoules, toi. Allez, on se bouge l'oignon. Bonjour. Ok, donc c'est bien ce que je pensais. Le truc jaune autour de lui, ça fait mal. Espèce de tricheur, moi aussi je vais me TP. Et je veux des géos. 25 quand même. Ça vaut le coup. Hop. Oh la musique! Alors je connais cette musique parce que j'ai quand même écouté la bande-son du jeu. Oui, j'aime bien écouter des bandes-son comme ça gratuites. Il m'a fait peur lui. Et cette musique est vraiment cool. Donc je vous laisse l'apprécier. On l'entend pas très bien, c'est malheureux. On va aller là. Putain, il snipe ces enfoirés. C'est pas ça que je voulais faire. Doum. Doum. Oh.
Examinons. Registre d'abat. L'esprit nous limite encore. Comment passer au-delà de telles contraintes? Est-ce seulement possible d'atteindre l'éveil véritable? Ça fait un peu... un peu de choses bizarres. Olé. Alors on ouvre ça parce qu'on en a besoin. D'accord, donc là c'est une vitre. J'étais obligé de faire ça pour aller ici. Hop. Bonjour. Ok. Ok. Alors là, c'est compliqué. Alors c'est compliqué, mais je me fais pas encore toucher. Ça... Il fallait juste que j'ouvre ma bouche. C'est pas contrable ton truc, ça, monsieur. Oh là là. Aïe aïe aïe. Il veut pas mourir. Non! Dommage. Et maintenant, on reprend d'où? C'était pas par là? Si. Ah, je suis dépité. Bon, toi, tu m'as saoulé, au revoir. Faut vite aller récupérer notre fantôme. Je veux pas mourir. Ils sont insupportables, ces monstres, à se téléporter partout. J'ai rien demandé, moi. Je connais pas, moi, Guy. Non. Un dernier coup, s'il te plaît. Merci. Donc, est-ce qu'on a notre carte? Oui. Ok. Pff. Allez, on se barre. Ah, le sanctuaire de l'âme. Et ici, on n'y est pas allé. On va aller voir. Mais... Ah, il est de l'autre côté, c'est pour ça. C'est bizarre. Et une porte. Génial! Une porte en aide d'un métal scintillant, il y a une fente pour une sorte de clé. J'ai pas de clé. Ouh, j'aimerais bien monter là. C'est possible? Non, je pense pas. Tant pis. La musique. Allez, on va récupérer notre âme. Allez, prends ton temps, l'ascenseur. Merci. Donc, elle est où mon âme? Elle est là. Mais il y a le boss aussi. Tu veux pas venir l'âme, s'il te plaît? Tiens, tiens. Claudine. Sale dinde d'âme. À la con. Merci. Non! Je me suis trompé de sens. On va la jouer prudent. Mais il a l'air d'avoir 15 millions de points de vie, quoi. Saloperie. Mais ça, c'est insupportable. Comment tu veux que je me soigne? Je peux pas. Je peux pas me soigner. Je peux pas me soigner, je peux pas buter cette connerie. Bon. Ah, ne surtout pas s'énerver. Ne pas céder. Ne pas céder. Ah. Pourquoi Oh non. Non, toujours pas. Putain, c'est pas possible.
D'accord, donc le truc, il reviendra à ma position quoi qu'il arrive. C'est pas juste un truc téléguidé, enfin, pseudo-téléguidé, c'est un vrai téléguidé. Non, c'est toujours pas par là. C'est toujours pas par là. Ne surtout pas s'énerver. Ne pas arrêter. Allez, zou. En fait, je peux pas me soigner sur ce combat. J'ai pas de temps mort. C'est ça qui est insupportable. Parce que le temps de se soigner, c'est 8 ans. Bon, il y a des trucs dans mes... Enfin, dans les pouvoirs, il n'y a pas un truc qui dit que je peux me protéger un peu plus. Je sais pas quoi. Allez, Géraldine. Quoi? Et si je te combatte dans un coin, ça fait quoi, hein? Hein? Je vais faire ça en vrai. Pif pouf. Voilà, tu es nul! Je suis plus fort que toi. C'était facile en fait. Le mec. Donc, on le saura pour la prochaine fois. Oh, mais c'est. C'est monstre, mais c'est insupportable! Heureusement, ils ont que 4 points de vie. Mais bon, c'est relou quand même. Comme même. Alors, ça, ce serait bien. Ah! Pouf! Alors. Ce terrain me fait peur en fait. Je sais pas à quoi m'attendre. Mais je comprends pas comment il me touche en fait. Martyriser là. Oh, bah il y en a deux. Ok, un en moins. Et deux en moins. On n'est pas trop mal. Aïe. Allez. Si on les tue vite, ça peut être gérable en vrai. Mais bon, faut les tuer vite. La musique, elle est trop bien, la musique, elle est trop bien, oui. Je peux aller tout en bas. Pff, allez, on y va, mais juste pour le plaisir des yeux, quoi. Y'a quoi, là? Ok, on peut rien faire. Et là, c'est pareil. Secret. Alors c'était rentré le secret. Ça pour rien en plus. Je suis tellement sûr. Oh putain. C'est des zombies, c'est quoi? Aïe. Se soigner. Tout ça pour ça. Un tourmenteur d'âme. Eh bien, soit, je ne sais pas ce que c'est. Mais c'est pas grave, on fait l'argent. L'argent rend les gens heureux. Bon, mytho, hein, on le sait tous, mais bon. Ok. Qu'est-ce qu'il y a là? En vrai, ça me fait très peur là. Je le sens, mais tellement mal. Non, il y a un truc là, c'est pas possible, va y avoir un boss. Mais je suis pas prêt.
Ah, je l'ai entendu la porte se fermer. Ah, je le vois là-bas. Dans l'ombre. C'est quoi? Me dis pas que c'est un des monstres. Maître de l'âme. Ok, ça va être relou. Ah, tu fais que ça. Il faut autre chose. Ok, il faut autre chose. J'ai pas dashé dans le bon côté. Oh là là, mais ça va être effroyable ce boss quoi. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, j'aurais pu me soigner en vrai. Oh, j'ai fait le con. Oh non, pas ça. Bouffon. Mais ce boss est difficile. Mais pourquoi j'enchaîne deux boss? Bon, en fait, je vous propose un truc. On va marcher jusqu'à devant ce boss, récupérer mes âmes si possible, et on fait une pause. Ok, donc toi, c'est la première fois que tu sautes, mais c'est pas grave. On va essayer de rusher. Si c'est possible. Hop, 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 sans mourir évidemment. Et après, je fais une petite pause. De quoi me désaltérer. Parce qu'avec toutes les conneries que je raconte à la minute, j'ai soif. Allez, Zou, on remonte. C'est pas ça du tout que je voulais faire. Ah, c'est quand même grand ce niveau, le sanctuaire des âmes. Le boss est joli, mais il fait mal. Non, non, on se casse, 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 on se casse. M'oblige pas à te tuer, j'en ai pas envie. On va aller tuer les... ça là. Parce que ça refile des âmes. Oh non! Oh, casse-toi. Ok. Ça fait l'argent, les gens diront ça fait l'argent. Moi je réponds, merde. Allez, zou. On se dépêche, on essaie de se dépêcher du moins. Je suis obligé d'aller en dessous là ou pas? Je peux tracer là-bas. Oui, bah j'ai tout ouvert donc en fait c'est plus facile. Je veux bien le mana avant, qu'il y a là-haut. Allez, après le reste, ce sera sur le boss. Hop! Bon, donc là, on est sur le monsieur. Oh oui, Géraldine, mon âme. Hop là! Merci. J'ai récupéré mes sous. Donc, on fait une petite pause là. Je vous dis dans 10 minutes, quelque chose comme ça. Le temps que je boive un peu et que je me que voilà, je me calme un peu. Et voilà. Donc je vous dis à tout à l'heure et à tout à l'heure, tout simplement. Allez, on est reparti. Donc le boss à la con, il a l'air compliqué, en fait. Et c'est parti! Il a l'air vraiment énervé, sans déconner. Si je parle plus, c'est que je suis concentré. Ne m'en voulez pas. Ah, merde! Se soigne et après on le retape. En fait, ça va, hein. C'est juste que la première fois, bah, tu connais pas ses attaques donc tu chiales. Oh putain, c'est chiant ça.
Ah, merde. Putain. Vite. Vite le soin. Vite. Ok, cool. Ça, c'est vraiment la pire. Ça va. Olé. Oh mince. Oui, vite. On se soigne. Mais ce boss c'est cool en vrai. Il est un peu casse-noisette, mais il est sympa. Ah! Il est mort! Oh ben voilà, c'était facile. Mais calme-toi, ça va! Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce que. Oh merde! Qu'est-ce qui se passe? Oh merde, c'est pas fini! Mais qu'est-ce qui se passe? Enfoiré! Mais qu'est-ce qui s'est passé là? C'est un Kinder surprise en fait. Il fait des feintes! Arrête de faire ça! Ah, je suis con. Le boss est un Kinder surprise. Ça y est, c'est bon, il est mort là? Oh bordel! Ah, illumination! Ouais, j'ai bien vu que j'étais bien illuminé, ouais. Oh la vache! Et maintenant, le pouvoir, c'est quoi? Il va repéter un plomb ou. C'est quoi? Élan ravageur. Appuyez rapidement sur B tout en maintenant la touche bas pour frapper le sol avec une explosion de puissance. Les sorts consument de l'homme. Ok. Eh ben, il m'a fait peur ce con. Allez, on se casse. C'était cool. En vrai. En vrai, c'était cool. Allez, on reprend nos esprits. Un peu de mana, ça fait toujours du bien. Avec le caillou qui ressemble à un zizi. Hop. Ça c'était obligé. Ok, une larve à la con. Ah, un coffre. Oh, moult argent. Si avec ça je peux pas m'acheter ma lanterne ou ma clé. En fait, ça serait quoi le mieux? Est-ce que ça serait la lanterne d'abord ou la clé? Je ne sais pas. Bon, ils me disent qu'il faut aller en bas, donc j'imagine que. Ok, on peut traverser les trucs comme ça, les vitres. Est-ce qu'on peut aussi traverser ce que j'avais vu auparavant dans le jeu, c'est-à-dire des petits morceaux de sol qui je sais pas quoi. Parce que du coup, ça va te permettre de péter les vitres au sol. Oui, bah voilà. Oui, je viens de le voir comme maintenant, je suis désolé. Ah oui, alors par contre, je suis descendu un peu bas. Il y a un pouvoir, et enfin un cadeau, n'importe. Bah les couilles, je le veux. Un saut dans le nest, je sais toujours pas à quoi ça sert. Et un caillou qui rend du mana. Ah là! Comment on fait? Comme ça, ok. Non! Il y avait Jean-Émile! Jean-Émile Larvo merde. Faut que je remonte. Comment je remonte? Je vais remonter. Oh, j'ai 1800, je vais pouvoir m'acheter ma lanterne. Je suis content. Donc, là, grande question. Est-ce que je dois acheter ma lanterne ou acheter la clé? Sachant que j'ai vu plusieurs serrures. Après, où elles sont exactement, j'ai absolument aucune idée. Mais c'est pas grave. Vite, allons chercher l'arvo merde. Alors, non, non, pas comme ça.
déjà pas comme ça. La... La... Et je me suis pas déconnecté de Steam. Quel boulet. Tant pis. Vous allez voir mes autres amis geeks jouer. Alors, c'est pas du tout ça que je voulais faire. Bon. On va essayer de remonter. Non, là, c'est par là d'où je venais. Ah oui, mais j'ai pas la carte, donc je peux pas savoir ce qui se passe. Alors, la lanterne, c'est pourquoi ? Je débarque un peu au milieu. Oui, alors c'est vrai. Oui, voilà, pour éclairer les lieux, j'imagine. Il y en a beaucoup pour l'instant, genre une zone toute noire. C'est vrai, pour l'instant, il n'y a qu'une zone qui est un peu noire, et donc on y voyait absolument que dalle. Désolé, j'atterris un peu. J'ai dû me... Je peux pas tout lire non plus. Hop ! Ah, celle-là, je peux pas. Faut vraiment qu'elle soit... Comment ça s'appelle ? Fragilisée. Mais là, il y en a. Hop. Et la clé, j'ai vu plusieurs serrures, mais alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, aucune idée de où ça peut amener. Alors non, je veux toujours ma carte. Parce que je crois qu'il y a une autre... Hop, désolé pour le détour, mais je crois qu'il y a une autre vitre cassable. Alors j'aurais pu de suite aller là. Ah, je peux pas. Absolument prendre l'ascenseur. Sachant que la lanterne coûte 1800, la clé 875, un truc du genre. Ah ! Il y a d'autres pouvoirs aussi à acheter, des emplacements pour porter des badges. C'est vrai que mes badges, faut espérer qu'il faille pas une clé par porte. Oh bordel, ouais. Oh ! Alors ça, par contre, ça me mettrait tellement dans le mal. Parle pas de malheur, s'il te plaît. donc non, il y avait vraiment qu'une vitre. Bon, on se barre. Oh non, je veux pas qu'il y ait une clé par porte, parce que là, sinon, je pense que je peux devenir fou. Déjà, je suis complètement ravagé, là, ça va me terminer. Alors, en vrai, je vais aller là-bas aussi, mais comment on fait ? Alors là, il y a des pics sur l'ascenseur, j'ai pas envie de m'y frotter. Hop. Ok, tout ça pour ça, merci. C'est par là, au moins ? Oui, c'est par là. Attends, mais là que j'ai tué le machin... Alors, c'est pas du tout ça que je voulais faire. Je vais mourir. Je vais mourir. Enfoiré. Ok. Alors, vite, on se soigne. Alors, en vrai, qu'est-ce que je disais ? Oui, il y a encore une clé qu'il faut que je foute là-bas. Et là, c'est une clé un peu bizarre qui disait... Bon, c'est pas... Et toi, jusqu'au bout, tu me feras chier, sans déconner. Il y a un bruit d'oiseau. Je sais pas où il est. C'était juste un petit peu. Alors, je voulais pas retomber. C'était pas mon but dans la vie, là. Oh putain, mais c'est pas possible. C'est juste que tu prends le chemin vers la droite, il dit « Regarde, on peut pas gauche. » Alors... Qu'est-ce qu'on a eu ? Ah oui, on a eu ça. Un charme reflétant le désir ardent du sanctuaire de l'âme, de maîtriser l'utilisation de l'âme. Améliore les capacités du porteur à lancer des sorts, réduit les coûts des sorts liés à l'âme. Dommage. Dommage parce que j'en fais pas des masses. Alors lui, il nous a laissé une... Désolé de vous avoir manqué, si vous êtes perdu, pourquoi ne pas venir dans un magasin à Dirtmouth pour acheter une carte de cette région ? Disponible maintenant à très bon prix. Qu'en y faire ? Allez, on se casse. Pas comme ça. Putain, c'est pas possible. Je veux remonter. J'en ai marre d'être nul. Et là, cette fois-ci, il me fait pop là. Non, mais c'est une blague, quoi. Bon, on va se calmer. Hop, on va aller là. On n'est pas allé là. Oh non, pas toi. Qu'est-ce qu'il veut ?
Et toi, voyageur, tout trempé, regarde où tu vas. Je ne veux pas que tu m'éclabousses. J'ai déjà passé trop de temps comme ça à essayer de rester sec. Je suis hôte lors de... Oui, on sait. Un chevalier de grande renommée, et si je décide de rester sec, alors je resterai sec. Maudite sur cette ville misérable, de l'eau et des monstres tomberont constamment d'en haut. Ce n'est pas étonnant que ce satané royaume tombe en ruine. Ah, c'est bien, il est positif ce type, je l'aime bien. Allez, on se casse. On va où là en vrai? On peut monter, il y a un banc. Bah oui, on n'y est jamais allé en fait. On monte. Il y a une station. Ah bah t'es, déjà ça. Oui, en fait, on n'est jamais allé là. Donc on y va. Les monstres, on s'en fout. C'est quoi ça? Je sais pas. Oh, mais t'es venu jusque là, toi. Sans déconner. Je sais que j'ai des fans un peu partout, mais quand même, fous-moi la paix. Ceci était un... Ceci est un mytho, un gros mytho. Alors ici, y a quoi? Bonjour. Toi, t'es vraiment pas sympa. Y a rien d'autre. On s'ennuie! Ah, j'ai pété un truc. Bon, y a rien. Le coup de la célébrité. Ouais, on va dire ça, ouais. Alors, où c'est que je peux aller? Hop! Non, je voulais aller là! Bon, tant pis. Non, non, arrête! Arrête de faire le con. Voilà. Arrête de paniquer. Non, mais c'est pas possible. Allez, on recommence. Ça m'apprendra à paniquer. Allez, on remonte tranquillement. Voilà. Hop! Non, raté. J'avais oublié que les jeux plateforme, c'était vraiment mes jeux préférés. Oh, bonjour toi. Toi, tu vises bien. Ah, bonjour. C'est par ici les casse-couilles? Oh, un cadeau. C'est quoi? Une clé. Non! Ça veut dire que si j'en ai trouvé une là, ça veut dire que les autres faudra les acheter. Oh non! Oh, je suis pas heureux. Oh, j'ai plus envie. Oh ben, je vais acheter une la lanterne alors, parce que je pense que elle au moins sera unique. J'espère. Oh non, 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 là je suis pas d'accord. Mais je ne suis pas d'accord, monsieur l'arbitre. Déjà, on va soigner, monsieur l'arbitre. Ensuite, on regarde la carte. Donc, il y a un métro là-bas. Il est écrit sur ma carte qu'il y a un métro pas loin. Et il y a un cadeau là. Le journal d'un voyageur, ça fait le second que j'ai. En fait, j'ai des collectionnables, je sais pas à quoi ils me servent. Bonjour. Bon, bah écoute, casse-toi. Ok, j'ai cassé un truc, j'ai cassé un truc, c'est pas grave, c'est pas moi. Au revoir. Un banc! Oui! Voyons notre carte. Ouvrons la carte. Bon, en fait, il s'est passé, il s'est rien passé de plus. Allez hop, on se casse. Alors, on va de suite. Oui, on va payer. On va ouvrir lien. Est-ce que ça veut dire que j'ai déjà ouvert tous les. Toutes les. Les gares? Bah, en vrai, je peux aller de l'autre côté. Non, je vais pas voyager. Excuse-moi, désolé. Bon, je me casse. Est-ce que ça veut dire que si je vais à gauche, il y a une nouvelle zone? Et ça, en fait, c'est juste un raccourci. Ok, d'accord. En fait, je peux pas aller là-dessus parce qu'il y a des pics. Je suis sûr que je meurs. Bon, on va continuer vers là alors. C'est quoi ça? Une machine avec le symbole d'un ascenseur. Oui, allez. Depuis tout à l'heure, on est en train de se vider de notre fric. Et voilà, je pourrais même pas acheter la. Je suis con, pourquoi j'ai fait ça? Pfff. Allez!
sais même pas où on va. Je sais pas pourquoi j'ai dépensé mon argent bêtement. Eh, mais on est déjà venu là. Mais c'est les zones du début. Et là-bas, il y a un truc noir, je sais pas ce que c'est. Et comment je fais pour ouvrir ma carte, mais genre pour avoir l'autre côté. Non, c'est pas grave. Allez, on s'en va. Qu'est-ce qu'il y a là? Alors, il y a un Jean-Kevin, je saute. Là, il y a un Jean-Hervé, je fonce par terre. Et là, il y a un nul. Voilà. Alors là, il y a des pics. Bonjour, messieurs, dames. Alors ça, c'est pour remonter. On va quand même continuer chez les gens nuls. Putain, je me suis fait comboter, quoi. Je veux savoir ce qu'il y a en dessous. Mais c'est les premiers monstres du jeu, ils sont nuls. Arrêtez. Arrêtez de me faire des... Oh, un cadeau. C'est quoi? Ah, c'est pas mon quart de cœur, c'est quoi ça? J'ai un truc que je ne sais pas ce que c'est. Salut Jean-Hervé. Y'a rien d'autre? Bon, mais il n'y a rien d'autre. Eh bien, nous remercions cette zone très fructurante qui nous a donné un truc. Un morceau d'un truc. Et je ne sais pas ce que c'est. Alors, nous revenons aux routes oubliées. Notre première zone. Et maintenant que j'ai une clé, faudrait que j'aille... Bah, je vais aller en ville, en vrai. Pourquoi j'ai pas pris la bestiole pour voyager? J'ai pas envie de me retaper tout le chemin. À moins qu'il y ait des nouvelles... Ça non... Où c'est que je peux aller que j'ai jamais visité? Vers la butte ancestrale là-bas? Je peux monter en fait et aller en ville. Il faut que je monte. Je vais pas aller en ville. Je vais aller chez les... Chez les larves aux merdes. Me faire un peu d'argent. Avant d'aller en ville. Et ça c'est bien. Donc attends, là on va où? Ouais, là on est sur vraiment la première zone du début quoi. La zone de la semaine dernière, pour ceux qui n'étaient pas là. Pof, pof. En haut ou en bas, je sais plus. Ici. Là, 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 il y a des petits monstres à la con qui sont nuls. Ouf. Je sais pas où je vais, mais alors j'y vais, mais d'une force. Non, je pense que c'est par là qu'il faut monter. Ah non, par là, non, pas encore, du moins. On passe là. Et là on monte. C'est ça? Ah non, pas du tout, je me suis trompé. Je vais à la caverne là, je veux pas y aller. La caverne nocive, on y est déjà été. Hop. Voilà, on va aller là-bas. Attends, parce que est-ce que je pouvais monter au mur? Parce que généralement quand il y a des trous comme ça, c'est pas pour rien. Non, on l'avait déjà visité. Bon, tant pis. Je pensais pas. C'est à partir de maintenant qu'on monte, c'est bien ça. Oui, c'est bien ça. Nous montons, mais avant, nous allons nous là-bas. Nous allons vers le banc. Ah non, le banc, il est chez l'autre. Idiot. Donc on se barre. Et je vais aller chez les machins, donc il va falloir monter... Et pourquoi on pouvait pas aller là-bas? Il y a un endroit auquel on ne pouvait pas accéder. Là, tout droit. Enfin, tout droit. Si je monte un peu par là, quoi. Pourquoi on pouvait pas accéder? Qu'est-ce qui nous manquait? Qu'est-ce qui nous manquait? Ah! De pouvoir sauter sur les murs, voilà ce qui nous manquait. Allez. Non, maintenant on peut y aller. Ok, donc qu'est-ce qu'il y a de si important?
Je ne sais pas. Il y a des pics un peu partout. Il y a un truc à péter là-haut, j'en suis certain. Regardez en bas. Pourquoi ils me disent de regarder en bas? Attends, c'est pour m'apprendre à regarder en bas? C'est une blague! C'est bizarre cet endroit. Je suis sûr qu'il y a un bonus à la clé, mais. Là, il y a de l'argent. Non, ok. Ça pour du mana? Non. J'ai pas fait tout ça pour ça, c'est pas possible. Non, j'ai dû louper un truc, c'est pas possible. Mais si, c'est possible avec la carte qui oublie l'enfant de moi. Ah ben voilà, il y avait bien un truc. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Si un boss, c'est pas cool. Je pense que j'entre dans une nouvelle zone que je ne voulais peut-être. Et voilà! Ok. Ouf. C'est pas ça du tout que je voulais faire, je voulais me soigner. C'est pas grave, j'en prends un, mais j'en ai regagné. Oh là là. Oh là là, mais c'est une catastrophe ce boss. Non, sans déconner. Vite, vite, vite. Ok. Je suis allé dedans, quoi. Mais comment je suis censé l'esquiver, ça? Et là, je fais quoi? Ok. J'essaye d'apprendre un peu pour comment esquiver. Ah, saloperie. Non, mais non, pas en pleine. Non mais c'est infaisable. Ah oh, putain, j'ai cru que j'allais regagner le cœur avant. Tant pis. Et je reprends où là? Non là je suis pas heureux là par contre. On va voyager, tant pis. On va voyager depuis Dirtroot. Tant pis, tant pis, tant pis, on va faire ça. Je suis pas du tout la joie. Mais alors, pas du tout. Bon, on va faire un détour en ville. Non, je peux même pas aller faire un détour en ville, vu que j'ai pas d'argent. Par contre, je peux sauvegarder ici pour reprendre ici. Ce qui est déjà en soi une petite idée. Ah, je suis dépité. Ensuite, on peut passer chez les choses là, chez les larves aux merdes. Elles vont nous donner des cadeaux, elles vont nous acclamer, elles vont nous dire oui. Je veux des cadeaux. Donne-moi un quart de cœur, s'il te plaît, larves aux merdes. Bonjour les larves aux merdes. Oh. Oui! Donne-moi l'argent! Oui! C'est tout! J'en ai délivré que deux depuis! Bon, tant pis. Ça fait déjà 210. Ah! Le boss était simple en plus, c'est pour ça que je m'en veux. En dessous. Non, pas là. Encore en dessous. Non, c'était là. Et tu vas monter ou tu fais semblant? Ah, le boss était simple, le boss était simple, ça m'énerve. Va reprendre un peu de mana. Ah! Ok. Ah, je suis énervé. Franchement, je voulais pas que ça se passe comme ça. Ah, Géraldine. Viens là. Rends-moi mon argent déjà. Voilà. Ensuite, on est prêt pour battre cette bêtise. Melek.
Ah, mais c'est insupportable. Ah, ces petits coups là. Bon, au moins on peut suivre. C'est déjà une bonne nouvelle. Ok, on peut pas. Apparemment, le monstre a dit non. Oh. J'allais dire, si je fais pas de bruit, c'est normal, je suis concentré, mais... Je peux me heal. Oh, j'ai failli le prendre, mais alors dans la tête. Non, j'y arrive plus, là. Vite. Ok, c'est pas grave. Non! J'ai glissé! Oh non, 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 non! Ok! Vite. J'ai reçu un nouveau truc. C'est quoi? Un quart de cœur! Plus qu'un! Plus qu'un! Tout ça pour un quart de cœur en vrai. Putain, j'aime me faire chier moi dans ma vie. Eh ben on remonte. On remonte, on va en ville. Et après, on va analyser un peu notre comment ça s'appelle? Notre carte pour savoir où l'on va. Parce que là, techniquement, j'ai une clé. Donc en ville, il y a déjà une serrure. Non, c'est pas ça du tout que je veux. C'est pas ça du tout que je voulais faire. Deux fois. Tout à droite, il y a des trucs. On va aller à Dirtmouse. En vrai, on va aller là-bas. Hop. Voilà, Dirtmouse, on va voir. On va essayer d'acheter la lanterne, au moins c'est fait quoi. Je crois que c'est le truc le plus cher que j'ai vu. Il fallait que je retombe, n'est-ce pas? Il fallait. C'est mal fait, c'est mal fait, c'est mal fait. Alors déjà, on va voir la carte. Chez la cartographe. Toujours à la recherche de plus de fournitures. Bon, d'accord, il n'y a plus rien. Donc déjà, niveau carte, on est bon. Ça, c'est le machin. On va faire ça vite fait. C'est pas ça du tout que je voulais faire. Donc le magasin. Bonjour. Alors, il y a un quart de cœur, pour finir. Il y a un truc bizarre. Il y a une clé. Et il y a cette lanterne. Donc, on va prendre la lanterne. Ouais, apparemment, il n'y en a qu'une. C'est déjà pas mal. Ensuite, la clé, on va la mettre là-bas. Déjà, on va faire ça. On sait jamais. Au revoir. Donc, la clé, on va la mettre là-bas, dans la porte bizarre. Espérons que c'est cette clé qu'il faut et pas autre chose. Utilisez la clé simple. Oui! C'était ça! Ouais! Ok, entrez. Qu'est-ce qu'il y a de caché là-dedans? Je veux pas mourir! Putain, il m'a fait peur. Bonjour! Bienvenue, petite intruse. Ça fait un certain temps que je dors profondément ici. Un certain temps? Ah oui, et bien maintenant que vous m'avez réveillé, ce n'est pas important, je suppose. Je pourrais même être en mesure de vous aider. Je suis Gigi. Oh mon Dieu, elle va se faire écraser par un bus. Si votre chemin vous a mené jusqu'à moi, c'est que devez avoir besoin de mon aide. Vous voyez, parfois, nous abandonnons nos regrets dans ce monde sous forme de taches noires. Oui, je sais. Si nous refusons de faire face à nos propres regrets, alors l'espoir qui est en nous s'épuise. Avez-vous des regrets, petite aide? Laisse-moi vous regarder attentivement un instant. Il ne semble pas subsister le moindre regret. Vous avez beaucoup de chance, donc vous n'avez pas besoin de mes services. Ah! En fait, Gigi, t'es utile. T'es utile, mais tu coûtes pas une clé, quoi. Tu coûtes pas 950 boulasses. Analysons la carte. Comment je fais pour... Ah, peut-être si je vais sur le banc, j'aurai peut-être une vue générale. Ou alors je fais ça et je fais carte. Voilà, donc là on a une cité un peu plus sympa. Donc vers chemin.
Il y a des trucs qu'on n'a pas fait. Genre, on n'est pas allé en bas. On n'est pas allé tout là-bas. Donc, peut-être vers 20 chemins. Passe du roi, c'est le début là où on a pop. Le temple de l'œuf noir, je sais pas ce que c'est. Là-bas, on n'y est pas allé. Le temple de l'âme, on y vient, même s'il y a un truc là tout en bas. Et enfin, la caverne nocive, il y a 2-3 chemins qu'on n'a peut-être pas pu prendre, mais en gros, on l'avait bien bien fait, le caverne. Ah, le village des mantes. Le village des mantes, on l'a pas bien fini. Là, ici, on peut pas y aller en plein milieu parce que, y a de l'acide. On pourrait retourner vers Vachemin, en vrai. On pourrait essayer de faire ça. Ouais. Mais avant, j'aimerais bien aller voir le temple de l'œuf noir, ce que c'est, vu que je suis juste à côté. Pouf! J'espère qu'on n'a pas besoin d'une clé, parce que sinon, ça va m'énerver. Alors, où c'est? Le temple de l'œuf noir, c'est ici. Oui, c'est ici. Alors, comment on fait? Bon, on peut y rentrer? Ah, mais oui, elle avait ouvert là. Mais c'était Madame Phil, là. Ah! Temple de l'œuf noir. On l'avait déjà ouvert, enfin. Pourquoi je peux venir maintenant et pas avant? Enfin, pourquoi ils me disent que. Bon, ça, je pense que c'est la fin du jeu et qu'il faut débloquer 3 âmes spéciales. Je pense que c'est ça, sans déconner. Bon, on va vers chemin. Ah là 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 là. On va prendre le métro. Enfin, pas le métro, le machin qui nous fait voyager. Je pense que ce sera peut-être plus sympa. Je gagnerai beaucoup de temps. Parce qu'il nous reste quoi 45 minutes à peu près. Donc on va faire ça. Hop. Salut. On va à Verchemin. Merci bien. Alors, quels endroits, vu qu'il y en a plusieurs de la map, nous n'avons pas bien fait. Il y a juste en dessous, tout en haut. On va aller juste en dessous voir. Oh là, alors d'abord on va faire ça. Allez, merci. Et on se casse. J'ai oublié que la musique de Verchemin elle est cool. En fait, toutes les musiques de ce jeu sont bien. Hop, on va voir tout en bas ce qu'il y a. Oh, j'avais oublié les Patrick Buisson de la mort, quoi. Et à côté de Patrick Buisson, il y a Jean-Michel Sapin. Le fameux. Ah, une fleur. Eh, je les touchote maintenant, les fleurs. C'est déjà pas mal. Alors, on est où? Non, mais pourquoi j'ai. Eh, j'ai refait bugger le jeu. Ah non, c'est bon. J'ai fait bugger la carte. J'ai fait bugger la carte. Non, c'est bon. Ok. Alors, on est calme. On n'a rien fait bugger. Hein. On fait pas glitcher les trucs parce que nous, on est voilà. On est gentil. On va recommencer à ouvrir la carte avec autre chose. Ah oui! Mais là, il n'y a rien. Je peux pas rebondir là-dessus. Non, je peux pas. Donc là, c'est un autre pouvoir. Et là-haut? Là-haut non plus. Bon. Eh bien, on sait qu'ici, c'est mort et qu'il va falloir tout remonter. Ouais! Ou alors, je vais par là pour voir. Parce qu'il y a un endroit qu'on n'a jamais fait. Non, alors ça, non. Ça, non. Mais genre, tous les jours, non. Faut que je remonte par là. Que je prenne par ici. Hop. C'est bien ça. Et là, je remonte. Ah! Décidément, ici, je n'y arrive pas. Il me manque un double saut, je pense, ou nager, peut-être. Ça m'étonnerait qu'on nage, parce que, allez, franchement, nager dans l'acide, ça donne vraiment pas envie. Ici, on n'y est jamais allé. Enfin. Attends, on est où exactement? Oui, voilà. Ici, là, on n'y est jamais allé. Pourquoi? Parce qu'il y avait des papillons de l'enfer.
Et que j'avais pas le double saut, ni le dash. Dommage. Ok. Olé. Le cadeau, c'est quoi le cadeau? Des épines d'agonie. J'en ai marre d'être nul. Là, j'allais ranger sec encore, hein, si je mourais. Ça n'aurait été que ma faute, mais j'aurais ragé. Ok, alors ce chemin c'est fait, mais c'est pas affiché, c'est normal. Je remonte, je remonte, je remonte, je remonte, et je vais là-bas. On peut faire ça. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé là? Ok. Calmez-vous, les Patrick Buisson. Ah, décidément, quand ça veut pas. Regardez-le, ce Patrick Buisson qui se cache, hein, salopard. Patrick Duffy de la télé. Bon, alors, on en est où là? On en est à monte, monte encore. Est-ce que là on y était déjà allé? Oui. C'est juste que maintenant que je peux grimper au mur, j'ai des pseudo raccourcis. Ce qui est plutôt sympa en soi, sans déconner. Non, pourquoi je tombe? Je me raccroche à la vie et tout. Je sais pas quoi avec le bruit. Je m'étouffe. Double mouche. Ensuite, ici. Ouais, on monte. Salut. Au revoir. Le monde est beau, le monde est vert. Des idées vertes pour. Voilà. Alors, ici, on est où? Aucune garde pour cette zone. Ah, on n'était pas bloqué par là. Ah oui, mais maintenant je peux monter. Maintenant je peux monter. Et je suis déjà venu. Et même qu'il y a un trou là. Ah! Et qu'il y avait des trucs. Donc en fait, je suis déjà venu là. Ça sert à rien ce que je fais. Et j'étais mort là. Bordel. Bon, bah ici en plus, non. Ici non plus, ça ne sert à rien. Bon. Alors, j'aime bien tout ce qui est Metroidvania, tout ça, mais. Même dans Metroid Prime, si tu tournes trop en rond, le jeu te dit hey, « Eh, regarde, ça serait bien que t'ailles là-bas !» Alors que là, je vais devoir tout redescendre. Serait bien que j'atterrisse sur un banc aussi un jour. C'est Patrick Buisson! Est-ce que c'est là qu'on veut descendre? Oui, on va essayer de choper le banc. Allez, on descend, on descend! Pas trop vite! Le banc est là. Hop, comme ça, la carte est mise à jour. Donc, on y voit un peu plus clair. On voit surtout qu'on s'est fait bien bananer la tête. Hop là! Et qu'on va. Oui, là-bas. Je suis sûr que je vais encore arriver devant un cul-de-sac. Oh non, pas les chenilles géantes. Bon, c'est quand même beaucoup plus facile maintenant de traverser ces zones-là. Hein. À pied, je veux dire.
Souvent, c'était pas ça. Hein. Bah, techniquement, c'est pas censé être dur vu que c'est les premières zones du jeu. Alors, je crois pas que c'était par là, si. Si! Et donc, on descend. Non, mais c'est pas possible, il y a un truc qui a dû m'arrêter. Ou alors, c'est une nouvelle zone, mais. C'est bizarre que d'un coup je puisse plus avancer quoi. J'ai envie d'y retourner mais j'ai vraiment peur du résultat. Hein. Ah si, c'était peut-être un mur auquel il fallait rebondir dessus. Bon là il y avait Géraldine Gérante là. Là il y a un Patrick Buisson, il y a un deuxième Patrick Buisson. Est-ce qu'on va de suite vers là-bas? Oui. Ça se fait. Alors là où il faut descendre assez vite. Pas trop non plus. Ah. Ah oui, c'est là où il y avait eu beaucoup de skills en fait. Bon ben la démonstration du skill numéro 2. Non, reviens s'il te plaît. Allez, on y va. Le skill. Hop. Pas de skill, pas de skill, pas du tout. On l'a vu, il n'y en avait pas du tout. Le mec a voulu s'y croire, au final, il est mort comme un caca. Allez, allez, Emile, allez, ok, merci. Ouais, je crois que c'est là, voilà, je pouvais pas monter encore au mur. Mais maintenant, au revoir toi. Avant de casser les pieds à tout le monde. Ok. On va y arriver. Oh oui, on a mis pied sur la terre ferme. Oh, bon, tant pis. Tout ça pour ça, c'est une blague. Jadis, ces terres étaient les nôtres, mais un être pâle revendiqua les cavernes plus loin. Il peut paraître bienveillant, mais il ne partage pas notre rêve, pardon. Soyez prudent en errant dans ces lieux. Mais déjà, je peux pas péter ça, donc il faut absolument que je monte par là. Hop. Tout ça pour ça. Et je ne sais pas ce que c'est. C'est une boule. La boule magique, la fameuse. Ah! C'est quoi ça? Il n'y a rien là. Si, il y avait un ancien... larve aux merdes. Oh putain, faut refaire la démonstration du skill. Est-ce que maintenant je peux juste faire ça avec mon skill? Non, je peux pas passer, évidemment. Il est où le machin? Parce que j'ai pas envie de me suicider non plus, quoi. Ça va, ça suffit. Après, les gens, ils vont se moquer. Oh là là, ça a failli être close. Et hop là. Ok. Ok, cool. Bon, ben, j'ai réussi à avoir une boule en plus. Donc là, faut remonter. Et au final, en fait, ben, cette zone... Je pouvais pas faire grand-chose de plus, en vrai. Je suis très déçu. J'ai passé, 20 grosses minutes à tourner dans vers chemin pour rien. Ah mince. On peut aller au Brume Canyon. De toute façon, je crois qu'on a vraiment que ça à faire. Quoi. Ah, je suis déçu. Et plouf, voilà. Je suis énervé. Oh là là. Merci de m'avoir réceptionné. Hein. Donc là, on y était allé là-dedans, là, dans tout ce boxon. Sauf qu'il y a des, oh, il y a des endroits qu'on peut pas. Et on a toujours pas la carte. Mercredi. Non, toujours pas. Alors, est-ce que là, on était allé là-bas? Je crois que oui, et c'était même la mort, quoi.
Ah, j'avais oublié ça. Je sais plus où aller dans ce jeu, quoi. Je pense que je vais prendre un métro et on va se barrer, parce que ici, j'ai vraiment rien à faire ici. Je pense que c'est une zone qui est vraiment trop haut niveau pour moi. Ah oui, alors là... Ah, quoique. Allez. Au moins, on a un peu d'argent. Merci bien, au revoir. Ah, il me faut acheter des clés en vrai. Mais j'ai pas envie de farmer l'argent pendant 8 ans. Sans déconner. Il doit bien avoir un truc à faire sans cette clé à la con. Ah, là, c'est la banquière. Et là, on retourne donc sur les chemins de la reine ou je sais plus quoi, là. Oui, c'est ça, la station de la reine. Donc on va tout en bas, on va sauvegarder. Comme ça, on est bien. Et après, on sait pas où on va. Ok, on fait ça. Viens là. Merci, Hervé. Non, on va... Entrepôt de la cité? Non, on va... En vrai, on va aller là. On va aller là, on va se mettre sur un banc 5 minutes avec moi et on va regarder notre carte. Il faut monter et aller sur la droite. On va essayer parce que je crois que si je suis allé là-bas et que j'ai rien trouvé, c'est pas pour rien. Genre ça pue la clé ou je ne sais quoi. Ah, après il y a des sols que je peux péter maintenant, enfin si je trouve des vitres. Mais des vitres, il n'y en a pas, ça court pas les rues. Non, faut monter un peu plus. Ouais. Ah, ça, on l'a activé. Oui. Je sais plus pourquoi c'était important, mais il fallait l'activer. Ah, ben là, voilà la lanterne. On avait besoin. Ok. Oui, je mets des géos dedans. Bon, ben voilà, on a trouvé le chemin où aller. Pour l'instant. Il y a des trucs très bizarres en dessous. J'ai envie d'aller voir ce que c'est. Parce que j'ai l'âme d'un aventurier. C'est tuable. Genre, parfaitement. Parfaitement tuable. Tout va bien. On est bien, en fait, là. Tout ça pour ça. Un peu d'argent. Ça fait jamais de mal. La. Ouais, le mont cristal. On a découvert une nouvelle zone. Et on sait pas où on va, mais on y va. Ouais. Je peux pas monter. C'est pas grave. Il faudra sûrement un double saut ou je ne sais quoi. Mont cristal. Ah, lui, il avance quoi qu'il arrive. Hein, c'est... Excuse-moi, j'avance. Bon, je sais pas où on va. Mais... Ok. Ah, j'ai oublié d'appuyer sur mon bouton. Tout simplement. Alors là, on va arriver dans un labyrinthe. C'est génial de pas savoir où on va. Bah... Comment dire ça gentiment ? Moi, ça m'enquiquine. Ça m'enquiquine tout simplement parce que si moi, ça m'ennuie de pas savoir où je vais, alors vous qui me regardez jouer pour savoir où je vais... Ah, ok, on peut pas aller là. Ben, je trouve pas ça très amusant. Si je peux trouver ça lassant, quoi. Genre, le mec, il sait pas où il va, c'est relou, Donc je peux concevoir que ça fasse chier. En parlant le plus vulgairement possible. Mais là, apparemment, on a trouvé une nouvelle zone. Donc on a juste à... Enfoiré. Et t'es énervé, toi. On a juste à
continuer sur cette zone. Qui est, ma foi, assez bizarre. Alors ici, il y a un banc. Où ça? Ici. Cool. Carte mise à jour. Mais il n'y a pas de carte ici. J'ai pas trouvé le bonhomme qui la vend. Hop. Alors ça, oui, voilà. Ça, je pense qu'il y avait bien le retour de la plateforme bien pourrie. Hein. Sinon, on s'amuse pas. Sinon, on s'ennuie dans le jeu, n'est-ce pas? Alors, on va là-bas. Je sais pas. Je sais pas si c'est par là ou pas. Il y a des mouches qui tirent du cristal. Oh. D'accord. Bon. Au moins, on sait ce qu'elles font maintenant. Là, il y a une nouvelle zone. Je me balade. Ah, là, on n'y voit pas du tout. On est content d'avoir acheté cette lanterne. C'est la lanterne de votre vie. Oh là là. C'était complètement maîtrisé. Ça non, par contre. Alors, toi là. Ok. On va là-bas, on continue, hein. Super lanterne, super lanterne. Ah! Mais non! Ah, mais non. Je sais pas où je suis tombé, mais ça sent mauvais. Ici repose la mémoire d'un traître. Laissez-moi revenir au mon cristal, s'il vous plaît. Il y a un métro. Qui dit métro dit le banc. Ah, oh, j'ai pas le laissé passer. Ah, oh, c'est un métro. C'est un vrai métro. C'est pas... Oh, attends, je peux descendre. On va arrêter de se plaindre. On peut descendre. On va voir ce qu'il y a. Il y a absolument rien. Et j'ai pas le laissé passer. A38. Je suis énervé. Ah, oh, punaise. Je suis bloqué ici. Dans un endroit où il y a des traîtres. Attends. Non. Je pensais que le sol tremblerait sous mes pieds. Bon, on va pas s'amuser, là. Ah! Mais c'est les trucs de l'œuf, ça. Ok, alors j'ai pas le choix que d'examiner. Pour protéger le vaisseau, les rêveurs restent endormis. Monomon, l'érudite, dans ses archives entourées de brouillard et de brume. Lurien, le veilleur, dans l'observatoire surveillant la ville. Et Hera, la bête, dans son antre, au milieu de l'obscurité profonde au-delà du royaume. Grâce à leur dévouement, à l'honneste perdure. Et donc, en fait, nous, notre but, c'est de tout péter. Location des rêveurs ajoutée à votre carte. Qu'est-ce que c'est que ça? Petite ombre, ne t'approche pas. Qu'est-ce qui l'oblige à sortir des ténèbres? Qu'est-ce qui l'oblige à retourner dans son royaume sacré? Un appel d'au-delà des sceaux, par le vaisseau ou par cette lumière captive? Les sceaux se briseront-ils? Ils ne peuvent être défaits. Mais le vaisseau s'affaiblit, ce fléau rejaillit, ils doivent être défaits. Mais nos sceaux demeurent, notre devoir perdure. Doit être rejeté. Notre devoir perdure, cela doit être fait. Alors ils ont fumé. Voilà. Bonjour! Disparais, petite ombre. Disparais, laisse-nous dormir en paix. Donc en fait, nous, on est les méchants dans le jeu. Si je comprends bien. Et maintenant? En tout cas, c'est joli. Mais ça ne me dit pas où aller. Pas là, en tout cas. Ah! Donc il y avait un truc. Bonjour, allez, réapparaît parce que je comprends pas. Oui. Et alors? Ah! Merci de me... Alors c'est très joli, c'est très visuel, mais c'est très casse-gueule. Je sais pas où je vais. Avec des rosaces de partout, là. Si vous, vous comprenez ce qui se passe dans le jeu, ben vous êtes les seuls. Je n'ai pas compris. Donc en fait, on est les méchants du jeu, et eux, c'est les gentils. On doit péter la gueule à la lumière, les gentils.
Ou alors, c'est un paradoxe comme quoi la lumière, c'est des salopards et l'ombre, en fait, c'est des gentils. Tellement de questions. Tellement peu de réponses. Ou alors, si je vais doucement, c'est pas pour me casser la gueule. Je t'écoute. C'est un si terrible destin qu'ils vous ont infligé. Donc, en fait, c'est des méchants. Vous avoir jeté dans cet espace entre corps et âme. Acceptez-vous leur jugement? Allez-vous périr lentement? Mais non, je veux pas! Donc en fait, ils veulent me tuer. Ou bien allez-vous prendre l'arme devant vous et tailler... Ah bah oui, évidemment. Ah, je veux ça. C'est quoi? Oh là là. Qu'est-ce qui se passe encore? Prendre aiguillon des rêves. Maintenir Y pour charger et frapper avec l'aiguillon. L'aiguillon des rêves permet à son porteur de passer au travers du voile qui sépare les rêves de l'état d'éveil. Ça commence à devenir compliqué ce jeu vidéo. C'est elle! On sait pas qui c'est, on est d'accord. Voyante. Ah, vous êtes revenu, bienvenue dans le monde en éveil. Ces personnages, ces rêveurs, ils ont pris contact avec vous, usant du peu du pouvoir qu'ils possèdent encore et vous ont traîné dans cet endroit caché. Mais ce talisman que vous portez maintenant dans l'aiguillon des rêves, il peut percer à travers le voile qui sépare le monde éveillé du monde des rêves. Les rêveurs eux-mêmes ne peuvent pas se cacher d'une telle arme. Cependant, je dois admettre que cette lame sacrée s'est ternie au fil du temps. Peut-être qu'ensemble nous pourrions restaurer son pouvoir. Vous n'avez qu'à m'apporter des essences. Les essences, ces précieux fragments de lumière dont sont faits les rêves. Recueillez-les partout où vous pouvez les trouver, apportez-les-moi. Une fois que nous aurons recueilli suffisamment, nous pourrons faire des merveilles ensemble. Illuminaire, parcourez ce monde, chassez les essences qui se trouvent là-bas. Rassemblez sans essence et revenez me voir. Alors je vous en dirai plus. C'est un deal assez honnête, mais je ne sais pas. Donc en fait, c'est quoi ça? D'accord. Que faites-vous ici en train de fureter dans un vieil esprit poussiéreux comme le mien? Je peux vous assurer qu'il ne possède rien de valeur cachée à l'intérieur. Mais continuez de sonder le monde autour de vous avec l'aiguillon des rêves. Des choses dissimulées se révéleront à vous. D'accord, donc en plus, maintenant, il va falloir que je sonde l'esprit des gens. Ah, c'est compliqué! Repos éternel. Mais je veux ouvrir les portes. C'est quoi ça? Ah, ces petits arbres, ils servent à l'aiguillon des rêves. Ah, c'est ça les essences. Ok. On dirait des pièces rouges dans Mario. Bon, pour l'instant, c'est facile, hein, mais bon. C'est le premier, vous me direz. C'est fou, j'en ai loupé. Apparemment, il y en a d'autres. Je pense. Sinon, le. Ah. Ah. Oh merde! Alors, déjà, il y a un truc qui s'est passé parce que je les ai toutes réunies. Et ensuite, j'ai pété le caveau de quelqu'un. Non, on se casse. Oh mon dieu. Oh mon dieu, le bruit que ça fait. Non, on s'en va. On s'en va de suite. Donc, on va voir sur l'arbre ce que ça a fait. Est-ce que l'arbre, il dit quelque chose? Je pensais pas que c'était aussi haut en fait. Ah, l'arbre, il a dit. Ok, c'est bon. Check, je pense. Ah, là, il y a une entrée. Ah, oh, oui. Allons-y. Ah! Salopard, désolé de vous avoir manqué, si vous êtes perdu, pourquoi ne pas venir dans notre magasin? Connard! Mais en vrai, je pense que je vais le faire. En fait, je vais aller là-bas, je vais acheter la carte pour revenir ici. On a trouvé là où il fallait aller au final. Repos éternel. Nous allons à Dirtmouth. On va à Dirtmouth. Nous allons à Dirtmouth. Oui, le Dirtmouth. On va à Dirtmouth. Nous sommes à Dirtmouth. Et nous allons chez le vieux qui cartographie. Et maintenant, on va voir si on peut acheter une carte. Bonjour. Ah! Ça me plaît. Et c'est quoi ça? Épingle de la racine, épingle de la tombe du guerrier. Je veux les deux. Utilisez ces épingles pour marquer l'emplacement sur votre carte de toutes les tombes intéressantes que vous trouverez. Partez rendre vos hommages. Alors on va prendre ça.
Comme ça, au moins, on va trouver les essences plus vite. Et en effet, regardez, démonstration. Ici, il n'y en a pas. Mais quel bouffon! Attendez, on va s'asseoir sur un banc, c'est mieux avec moi, voilà. Et ensuite, on fait. Non! On fait ça! Voilà. Donc, on va vers chemin et on voit qu'il n'y en a pas. Par contre, il y a une racine. Il n'y a pas de racine, en fait. Ah, si, là, au village des Mantes. Ah, faut qu'on y retourne au village des Mantes. Alors là, il y a un veilleur. Là, il y a le repos éternel. Est-ce qu'on continue dans le repos éternel? Parce que c'est bizarre, en vrai. Ce serait bien de continuer voir ce qu'il y a au repos éternel. Mais j'aimerais bien aller là aussi, au village des Mantes. Ça a l'air cool. On va au village des Mantes. C'est loin quand même, parce qu'il faut que je me tape tout à pied. Il n'y a pas de. Non, on va pas au village des Mantes. Bon, retourne au repos éternel, tant pis. Suis pas très content de moi, mais on y va. Dou, dou, dou. Il faut l'argent. Il faut l'argent pour des clés. Repos éternel. Histoire éternelle aussi, non? Non, personne. Personne ne veut l'histoire éternelle. Eh ben, c'est pas grave, je m'en vais. Je m'en vais! Là, il y a un autre truc. Ah, du mana. Merci, monsieur Man. Ah. Là, il y a rien. Là, il y a rien. Toi, tu vis, toi, tu vis, toi, tu crèves. Bon, alors, apparemment, notre carte a dit: oui, regarde, il y a des choses là-bas, mais. Ok. Oh! Salopard! Ça fait quoi, là? Non! Non, mais j'ai compris! Je vais mourir! Oui, merci. Donc, en fait, c'est de là qu'on venait. Sauf qu'on n'a toujours pas le laisser passer. Ah, apparemment, on peut aller encore plus bas. On va essayer d'aller plus bas! Genre ici, là. Ah, attendez. Je t'écoute. Arrêtez là, ceux qui trahissent ce royaume sont maudits. Mieux vaut se re... Mieux vaut-il se reposer ici jusqu'à ce que le temps en lui-même s'arrête. Espoir et liberté. Je pensais que seule ma force pouvait m'accorder ces choses. Dans mes rêves, je combattais ce fléau à l'aide de mes aiguillons jusqu'à ce que je retourne. Notre roi blanc, ouais, Xero. Quand je me suis réveillé dans ce lieu sacré, j'ai alors compris. Ceux qui ont de l'espoir sont déjà condamnés. Avez-vous toujours de l'espoir, voyageur? Avez-vous l'intention de vous enfuir? Ou bien allez-vous lever votre arme et nous condamner tous les deux? Défiez le. Ça sent tellement mauvais. Alors, c'est bon la menthe. Alors. Il n'y a que Naïma qui sait faire le vrai thé à la menthe. Ah ok, donc en fait c'est un combat. Et K. Tcha. Ah, Oda. Oh mon dieu, mais merde. Comment il sait où je vais être? Eritsa? Je suis désolé. Reviens. Oh non. Non, là ça m'amuse moins. J'ai compris. Tu sais manier les lances comme personne. Oh merde! Et moi, j'esquive comme personne. Ah, il fallait que je l'ouvre. Il m'a raté. Mais. Il est sympa quand même. Ah merde, le retour. C'est tout? Tu es nul, Jean-Michel. Ah, je peux voir maintenant, ceux qui trahissent le roi sont condamnés à l'instant même où ils lèvent leurs armes. Ne m'appelez pas traître, appelez-moi simplement fou. Je sais que vous ne fuirez pas. Où que vous alliez, je vous surveillerai.
Ah, ça m'a donné des essences. Oh, 120? Madame. Madame, tu veux pas me donner des trucs pour les essences, madame? S'il te plaît. J'ai bien fait de me battre contre ce boss qui était un petit peu moisi quand même. Hein. On dit ce qu'il en est. Hein. Il est aussi moisi que moi, je suis bon dans le saut, quoi. Elle est où là, madame? Madame! Salut! Vous avez déjà rassemblé son essence, vous avez fait vite! Les choses vous viennent naturellement, n'est-ce pas? Non. Pas étonnant que les rêveurs aient essayé de vous piéger dans cet ancien rêve. Peut-être les effrayez-vous? Ou bien, peut-être qu'étant eux-mêmes prisonniers, ils désirent votre compagnie? Dans tous les cas, vous avez encore un chemin à parcourir. Prenez cette vieille breloque en gage d'encouragement de ma part et revenez me voir quand vous aurez rassemblé 200 essences. Un sceau de l'honneste. On sait toujours pas à quoi ça sert. On sait pas, messieurs, dames, on sait pas. Bon, on va aller dans le truc creepy. Où est le banc? Où est le banc? Le banc était au-dessus. Fuck. On va aller au banc. C'est pas là. Le banc. On va au banc et on va dans l'endroit creepy qui fait peur. Parce que je suis qu'une flippette. Et je l'assume. Oui, l'endroit creepy. Non. Là. Non. Là. Ok, c'est parti, ma gueule. Alors, les bruits. Les fameux bruits, là. On reste zen. Ah! Mais. Enculé, la race qu'elle m'a mis! Je m'excuse, j'ai dit des gros mots. Ah, il y a un larvomère de pas loin. Ces oiseaux sont insupportables! Comment je suis censé la tuer? Comme ça. Très bien. Il est où mon larvomère? Larvomère, à l'attaque! Oui! Tu me donneras l'argent plus tard. Et là, il y a quoi là? Un coffre! Oh, moult argent, moult argent! Oh, l'argent, l'argent! Eh, encore un mur destructible. Pas comme les Gaulois. Ah! Ça, c'est moche. Ça a bugué. Vous l'avez tous vu. Il y a une Jean-Michel connasse là. Non, j'ai pas eu peur. Mais punaise, non, mais je suis mort! Oh non, oh non. Oh non, je suis pas d'accord avec ce constat. Oh, je suis tellement pas d'accord. Ah, il faut surtout pas que je meure en y allant, surtout. Il y a du mana. Bon, tant pis, il n'y a plus de mana. Il n'y a plus, Michel. Oh, punaise! Ils font peur, ces monstres. Sans déconner, on dirait des vieilles asthmatiques, là. Ok, 5 coups. On retient. C'est trop calme, c'est insupportable. Ah, Géraldine. Viens là, salope. Y'a pas d'autre mot. Ah ah! Le journal d'un voyageur, encore, nous sommes très heureux. Mais, monte. C'est j'enchaîne. Un mangeur d'âmes. Bon, ben, j'ai pas fait tout ça pour rien. On dira. Je sais pas à quoi il sert, mais on verra ça plus tard. On
On est vraiment content d'avoir une lanterne, hein, sans déconner. Bon, allez, les bruits là. Ça t'apprendra à être grosse, Mélissandre. Il y a des oiseaux de partout, je l'entends. Il y a un oiseau là. Voilà. Ah, mais il y a des oiseaux partout. Il y en a un là, voilà. Ah! Eh, il y a encore un trésor. C'est quoi? Un seau d'Alonest. Je sais toujours pas à quoi ça sert. Allez, on se barre. Oh, un raccourci vert, je sais pas où. Oups. Mais c'est le grand ascenseur. C'est bizarre, ça. Ouais, salut, toi. Oh, il fait mal. Ne plus jamais dire bonjour à des inconnus. Moi je dis bonjour parce qu'après ils vont niquer mon mère. Ma mère, pardon. Mon mère. Ils vont niquer mon. Oh la vache. Eh, tape plus fort s'il te plaît quoi. Oh. Je suis mort, mais je suis un boulet. Mais je suis un boulet, mais c'est abusé. Je reprendrai ma revanche contre ces Jean-Michel costauds. Je voulais le mana, je l'ai oublié. Ce jeu est compliqué. Ce jeu est compliqué. Ce jeu est compliqué. Il y a des Géraldines un peu partout. Au revoir. Ah, tout est Géraldine en fait. Ok, alors il est où, monsieur? Faut vraiment jouer avec le son dans le jeu, MDR. Ouais. C'est de bonnes ambiances de la maison. Ah là là. Bon, il est où, Saloparman là? Ah, il est là. J'aimerais bien le tuer au moins une fois pour la collection. Et bim! Oh là là. J'ai envie de me soigner. Il va me laisser faire. Ah, oh, il est gentil. On va t'appeler Philippe le gentil. Philippe! Gentil. Ah, t'es pas gentil. C'est quoi ça? T'as combien de vie, mec? Réponds-moi. Un geste suffira. Oh, foiré. Mec, encore combien? Qui a le droit de faire ça? Mec. Mais t'as combien de vie? Oh la vache. Ça commence à me tantiner, à m'énerver, ces monstres. J'aurais pu juste passer, mais non. Il a fallu que je sois plus con que le jeu. Punaise, c'est pas possible. Pourquoi je suis nul comme ça? Pourquoi il fallait que je me frotte à ce bonhomme alors que je pouvais juste passer et rééviter les Géraldines qui me gonflent? Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi es-tu corrompu? J'ai pas activé l'ascenseur, c'est pas grave. Oh non, mon âme elle est de l'autre côté. Salut Thierry, au revoir, on se casse, on se casse. Je veux mon âme et je veux savoir ce qu'il y a là-bas. Toi aussi tu m'énerves. Bon alors les machins, les gros machins, on verra quand on aura augmenté notre arme. Je veux savoir ce qu'il y a là-bas. Je veux savoir, montrez-les-moi. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un raccourci?
Oui, c'est le truc qu'on essayait d'ouvrir. Super, on a fait une boucle et on est heureux. Oui. Pas du tout. Je veux savoir ce qu'il y a là-bas. C'est joli. Le lac bleu. Je peux nager dans le lac bleu? Oui, je peux nager. Regardez-moi. Ça sent la baise. Ça sent un truc qui va me tomber sur la tête ou je vais être one shot. Il n'y a absolument rien. Ah, je peux pas attaquer quand je suis dans l'eau. Ce qui est à peu près logique. D'accord, on a traversé le lac. Salut, hé, toi! Quel endroit paisible. C'est de l'action que je veux, des combats, des brutes et fatales. Ok, des combats de brutes et fatales. D'accord. Cette sérénité, j'en ai ennui. Mais non, c'est bien, Thierry. Allez, on s'en va. Je veux savoir ce qu'il y a là-bas. Pourquoi le lac bleu? Pourquoi? Pourquoi? Voyons ce qu'il y a. Je veux savoir ce qu'il y a. Parce que c'est bientôt la fin. Ah mais... Mais c'est la vieille! Bon ben je pense qu'on va arrêter là, chez la vieille. La vieille aux gros boobs. Bon, elle a pas des gros boobs, on s'en fout. Ouais, je peux acheter des trucs. Alors, cœur sang de vie. Non, je vais acheter ça. J'ai pas l'argent. Mais au moins je peux. Alors que là, il m'en faut 7 de plus et là, 14 de plus. Il me faut ça. Bon. Ben, je sais que je reviendrai ici quand j'aurai 500. Tu aimes tourner en rond? Ouais, apparemment. Apparemment, c'est mon petit jeu. Oh, je suis revenu là. Mais bordel! Bon, attendez. Le pire, c'est que, en fait, j'ai accepté, donc je peux pas remonter. Voilà. Oh non. Faut que je remonte par là. Oh, mais d'ici, je peux pas en sortir comme j'ai envie, en fait. La PLS. Eh, il y a quoi ici? Ah, il y avait le petit bonhomme, là, le marchand, non? Oui, c'est ça. Un petit bonhomme, c'est Butters. Oui, on peut remonter par là. Bon, je vais me préparer, on va dire, physiquement et mentalement. Pour la prochaine étape, j'avais oublié qu'il y avait ça. Donc on monte, on retourne au mont cristal. Ah ouais, on va au mont cristal. Parce qu'en vrai, au mont cristal, on n'a rien fait. Je suis un peu déçu du mont cristal, donc on y retourne. On va faire ça. Je suis nul, mais je suis nul. Tellement de mouches. Alors attends. Oui, c'est par là-bas en plus, ça sert à rien que j'essaye. Ouais, je m'en fous de vous. Au revoir. Bon, c'est bientôt la fin, comme dirait l'autre. Allez, viens. Hop. Hop. On va faire ça. On va essayer de trouver un truc dans le monde cristal, là, le monde cristal, parce qu'on n'a rien trouvé en fait. Sans déconner, quoi. S'il y a eux, mais... Ça fait de l'argent gratuit. En plus, il nous faut 500 d'argent pour avoir un emplacement de bâche, en plus. Mais je sais pas ce que je vais mettre à la place de tous mes trucs. Et là, j'ai vraiment pas la carte, quoi. Donc on était allé là. Et là-bas, y a rien. T'es allé là. Ah oui, avec les mecs de pioche, on n'est pas allé là. On fouille un peu, hein, on se l'autorise. C'est une zone complètement nouvelle. Hop. C'est trop bien ça. J'avais oublié qu'il faisait mal. Ah là, il y a une porte. Sauf que je peux pas y aller. Ok.
Allez, tourne-toi. Merci. Ouh, ça sent la grosse pièce à puzzle. C'est-à-dire peut-être un... Oh, y a des pics. Non, c'est des pics sur les côtés ou c'est de la... Non, c'est de la déco. Oh non. J'arrive. Larve aux merdes. Oh merde, il est allé un peu trop vite, lui. En avant, là, oh merde. Oh, mais j'y étais. Monsieur l'arbitre. Larve aux merdes. Oui, bi, bi, bi. Ok, donc on n'est pas allé là non plus. On visite, hein. C'est bientôt la fin, mais j'ai envie de visiter. Et surtout de... Alors, des trucs intuables, super. Ils font des lasers. Bah, amusons-nous. Oh, la vache. Hop. Là, on sait pas ce qu'il y a. Moi, je voudrais soit un banc, soit le... Soit... Oh, ça, ça a l'air cool. Ça, j'adore. 3, 4, 5, 6... Dommage. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13... 2, 3... Ah, merde, fallait attendre. J'en peux plus, ce jeu de merde. Non. Mais moi, je voulais juste découvrir un banc. Et puis, je me suis amusé. Et puis, je me suis trop amusé, donc je suis mort. Ce jeu qui me rappelle à mes tâches quotidiennes chaque jour. Pourtant, je n'ai pas la vaisselle à aller faire. Bordel. Je veux mourir. Mais pourquoi? Moi, je m'amusais et tout, et j'avais pas vu ma vie parce que je suis un gros con, et puis j'avançais machinalement comme un débile. Oh là là! Oh là là, c'est tout moi, j'en ai marre. Oh, mais achetez-moi du skill, s'il vous plaît. Donc, je disais. Non, là, je sais plus ce qu'il y a, mais c'est pas bon. Allez, on essaie de faire ça très vite. Et de trouver un banc dans cette région. Je dirais pas de merde, promis. Mais le mot peut m'échapper. Allez, on va là, on fait ça. On s'en fout des monstres. On s'enfuit vu qu'ils nous bloquent le passage. On se barre. On va se dépêcher. Y avait larve aux merdes. Voilà, on remonte là. Et là, normalement, il y a mon âme qui traîne quelque part. Ah putain, il y a ça. Putain, ça fait vachement mal, ça. Ok. Où est mon âme? Oh, mais il y a le papier là. Ah putain, mon âme elle est là-bas et le papier est là quoi. Putain. Ah, bordel de merde. Allez, j'en reprends une gratuite parce que c'est pas cher. Alors là, je l'ai esquivé, je sais même pas comment. Il me faut le papier. Il est là-bas, je le sais. Oui, oui. J'ai pas d'argent. Putain.
Putain! Faut que je trouve une solution. Ah, surtout que là, je peux pas y aller. Bon, au moins, on sait où il est. Ah, je suis dégoûté. Je vais sûrement pas réussir à descendre, et donc je vais mourir. Ou alors... Ou alors, je m'amuse à tuer. Non, je vais me faire chier. Non, ça va pas le faire. Faut que je redescende. Et y a pas de banc. Y a toujours pas de banc. Faut que je descende en YOLO, mais pas total, quoi. C'était pas trop mal. Putain, je suis un nul. Mais genre un gros nul, quoi. Genre ma mère, elle va me renier tellement je suis nul. Allez, on se casse. Ok. Donc, elle est où, mon âme, là? Ah, oh, putain, elle est là-haut. Elle est là. Tu veux pas venir? Ok. Est-ce que, quitte à être là, on essaye le larve aux merdes? Ça serait... On se fout de la gueule du monde, mais je vais le faire. 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Voilà. C'était facile, d'accord? Est-ce qu'il y a un banc là? Il y a un banc, dis-moi qu'il y a un banc. Il n'y a pas de banc. On va acheter la carte. Parce que si j'achète la carte et que je meurs, je l'aurai quand même. Et la carte me dira où c'est qu'il y a un banc. Donc on essaye de survivre et de pas faire le con, ok? Ok. Je dépasse l'heure, je sais, je suis désolé. Mais j'ai une revanche. À prendre. Putain de merde. Alors, arrêtez de faire le con, s'il vous plaît, monsieur. Genre, maintenant, vous arrêtez. Voilà. On arrête les conneries. Et on fait le jeu bien. Voilà. C'est bien qu'on arrête les conneries. Ah oh, putain, on y est. Donne-moi ta carte. Oui, je m'en fous. Oui. Le banc est tout en bas. Mais pourquoi? Mais on l'a jamais vu. Le boogie woogie. Putain. Ah mais j'ai pas envie de redescendre. Sans déconner, quoi. Je suis pas monté pour redescendre. Et là, je peux pas monter. Ah, si, je peux monter par là. Allez, hop, on fait ça. Y'a un banc. Y'a un banc, y'a un banc, y'a un banc, y'a un banc, y'a un banc. Y'a un banc. On va au banc et on sauvegarde. Et pourquoi il m'a pas dit qu'il y avait un banc par là, à ce temps? Ah, parce qu'il y a un boss. C'est ça. Voilà, c'est parce qu'il y a un boss. Mais qu'est-ce que c'est? Mais c'est jamais les hologrammes. Oh là là, bon, vas-y. Vas-y, tue-moi, parce que ça m'a énervé. Oui, voilà. Vise en haut, parce que t'es con comme un manche. Et voilà, moi j'y vais dessus, donc je suis encore plus con que lui. Ah putain, c'est pas possible. Me tire pas dessus, salaud. Me tire pas dessus, arrête! Allez, meurs. Meurs, 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 meurs! C'est mon banc! Non. J'en ai regagné. Oui! Oh, putain!
casse-toi. Voilà, casse-toi. Donne-moi ton argent. Ok, c'est bon, on arrête. Donc, voilà. On va arrêter. Donc, on vous dit à la semaine prochaine pour la suite de Hollow Knight. Merci d'avoir suivi. Je suis éreinté. Et à très vite. Sur ce, la bise. Au revoir.